1, 2, 1, 2, 1, 2. Regardez si ça marche. Bonsoir, bonjour. Enfin, bonjour YouTube, en fait, parce que ça va être la rediff sur YouTube. Hello YouTube, bonjour, bonsoir. Hello everyone. Aïe, 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 aïe. Bon, on est sur nous. Oui, regardez si ça marche. Oui, regardez si ça marche. Oui, ça marche. Salut Dorian. On va lancer le jeu. On va attendre Valania. Je sais pas. Valania va arriver après. Elle est partie chercher son dessert. Donc, en attendant que le jeu se lance, je vais présenter la carte. Donc, aujourd'hui, 4 bagarres, 4 matchs. Donc, le premier, c'est moi contre Agin. Le deuxième, Mental contre Abby. Ensuite, Gaspard contre Jumpy. Et enfin, le main event, c'est Ganon contre Athéna. So, tonight, we have four fights. We have me for the beginning versus Agin. Ensuite, enfin, ouais. Then we have Mental versus Abby. Soul And after, Calibur we have six. Gaspar versus Jumpy. And for the main event, we have Ganondorf versus Athéna. Donc là, on attend Valania avant de lancer. Je vais au moins déjà créer la salle. So, we waiting Athéna for now. But in the beginning, I create the room. Et non, Doria, je ne fais pas le School of Legends. J'expliquerai pourquoi. Parce que c'est juste. Enfin, juste pour faire simple, en fait, c'est le format qui me plaît pas. C'est le format qui me plaît pas. Et il y a aussi le fait aussi avec le travail en ce moment. Je peux pas. Bah, réussir à choper Ganon, c'est pas moi hein, qui organise les matchs. Hein. C'est Valania qui organise les matchs, c'est indiqué sur la carte. D'ailleurs, le jeu ne s'affiche pas. Moi, si, si, il va s'afficher, attendez. Ah, il recherche. Je vais juste préparer les. En attendant le. Attends, je vais. Non, le. De quoi? Qu'est-ce qui se repasse là? Putain, il va pas me faire un caca nerveux juste pour le truc, c'est bon. Bon, enfin, bref. Alors. Juste préparer pour le prochain. Là, c'est pour le prochain. Attends, putain, je suis tellement mort, je suis fatigué en plus avec le taf. Ah, attendez 2 minutes, excusez-moi. J'oublie le. Alors, mon avis. Ah. Abby. Et ensuite, mental. Ok. Ça c'est bon normalement, ouais. Là, au moins de ce côté-là, c'est bon. Ouais, j'arrive, Val, je suis juste en train de modifier les scores. Enfin, le leaderboard. J'ai mis quel. En dessous, je m'en souviens. C'est bon normalement. Attendez, putain, je crois que j'ai fait une erreur. Ouais. Attendez, j'ai fait une boulette. Attendez. Et puis là. Là, c'est Abby, c'est bon. Et là, c'est. Mental. Normalement, ça devrait être bon. Ah. Ouh, dada, il y a une erreur. Bon, je le ferai après. Je le ferai après, tant pis. Je vais pas perdre de temps. Hop. Je vais appeler Val. Allô? Oula. Allô? Allô, je t'entends pas. Allô? Ah, c'est bon, je t'entends. Viens. Ça va. Je suis malade, mais ça va. Enfin, malade, je sais pas ce que j'ai actuellement. Parce que je suis en plus de la. J'ai un gros coup de barre. Et j'ai un autre souci de santé à côté derrière, donc ça c'est. Voilà. Ça va aller? Hein? Ça va aller pour ce soir? On va bien voir, je vais faire avec, je suis un guerrier, donc.
On va bien voir. C'est juste qu'il faut pas que je tousse, sinon c'est la cata. Voilà. Alors, je vais t'inviter. J'espère qu'on sera pas décalé par contre pour les prochains matchs. J'espère, oui. Parce que c'est marrant parce qu'avec Tadlos, on n'est pas décalé. On avait fait un OSC une fois avec Tadlos, on avait commenté, on n'avait aucun décalage. C'est peut-être le fait que je note les scores en même temps. Bah, il faut le faire avant que ça aille dans la room, quoi. Ouais, ou après quoi, pendant les matchs, je Enfin, pense. avant qu'ils appuient sur play, quoi. Ouais. Approchez vos micros, on vous entend bof. Je peux pas être plus près de mon micro. Je vais parler un petit peu plus fort. Au grand désespoir de mes voisins. Je peux faire comme ça si vous voulez. Non, on va éviter le stream parce qu'il va être dehors. Bonjour, je suis là pour juger très fort. Moi, je vais juste couper mon micro au cas où sur le stream. Ah, du coup, je reste toute seule. Ok. Non, mais c'est en attendant, c'est pour le match. Après, je peux rester là. Non, mais vas-y, focus sur ton match, t'inquiète, je gère toute seule. Attends, c'est juste que mon micro il se casse la gueule au fait. Il y a un problème avec le micro. Qu'est-ce qui se passe, les oreilles, Dranky? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que t'as fait l'ASMR et du coup ça a fait Ah, il bruit. a attendu tout à l'heure, d'accord. Ouais. Je mets juste la musique. Dites-moi si la musique est trop forte. Bon, ce soir, c'est Music From Software. Let's go. J'ai cru qu'il n'avait pas accepté. Le storyboard, il n'y a rien dessus, c'est normal. Ouais, bah parce que c'est moi donc. Ok. C'est moi le premier. J'ai déjà fait pourtant. Je dirais le score alors. Yay, la Dark Lamico. Memories of ancient battles slumber eternally unknown. Ok, du coup on est parti. Le premier match de l'OFC de cette semaine, Momo contre Adin. Adin qui est à sa première participation de l'OFC. Et qui nous a sorti un maxi tout blanc avec une petite écharpe creuse. C'est très mince. Et donc on va voir comment ça va se passer. Maxi, un personnage de 50 points. Moi il danse de partout. Je sais qu'il faut faire 2K parfois. Enfin, je sais pas quoi faire, c'est cool. 2K c'est cool, faites 2K. Et très bon duck ici, il n'a pas de Momo. Oh là là! C'est confus et le petit 2A bien vu de la part de la team pour éviter la pression avec AA. Le bon duck ici de la part d'Agine sur le 3AK. Non, mais qui arrive à gratter des dégâts ici là avec des 3 et la stance. Ouh, le bon step ici, très bien. On va la faire ici aussi avec le 2A de la part d'Agine. Ouh, très bien de très beau dégâts ici de la part de Momo. La chape vient de choper de la part d'Agine. Et ça, c'est le décès encore une fois avec le 3 Voilà. Ouh, très beau bloc ici de la part de Momo, dommage pas de réaction juste après. On va faire un petit redébé à 6-3B. J'ai mis contre génie et le létalite ici pour Momo qui va faire extrêmement mal. Ouh, le bon whiff finish ici de la part de Hajin. Allez, allez, Momo qui était un chouïa trop loin ici pour attraper avec le 4A. Voilà. Et juste après avoir utilisé une barre Hajinki, il y a une barre Momo qui, voilà, qui n'a pas le choix ici. Il est sous charge. Et le beau 3A ici en compteur, ça va faire très mal. Une sup. Une bonne déchoppe ici de la part d'Adin. Aïe aïe aïe, le bon de la part de Momo. La déchoppe.
Aïe aïe, tout le monde va survivre. Non, il survit pas. Aïe 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 aïe. Ah dommage, on aurait pu remonter avec ce ce 3A. Ce 3A en Peter. Mais malheureusement le 4-4D qui était Welcome to the stage of history retold. The desire for power leads. Battle one, fight. Très belle agence de la part de Momo. Et le beau whiff punish ici, là, le petit step into de C3D. Encore une fois, ouais, là, cette fois, c'est Ajinma qui whiff énormément. Voilà le 4-4B. Enfin, Momo a réussi à le placer. Très beau counter ici à la stance avec le Try This. Le 3, le Try Baby x 3. Petit Momo, hein. Hello JJ, how are you? Toxique Momo. Encore une fois, très beau caca pour éviter la chope ici. Momo qui essaie de mettre un peu de pression. Ah tiens! Très beau whiff finish ici encore une fois avec le C3B. Bonne garde ici de la part de Ajin, ça se regarde. Et encore une fois, ce C3B là qui sort de nulle part mais qui fonctionne. Le mix de Momo, et ça tue. Non, ça tue pas. Et le 2K. Je pensais que ça allait tuer aussi. Mais non. Mais ça va, il s'est bien rattrapé avec le 2K. Il a économisé une barre, tandis qu'Ajin en gagne une deuxième. Et très bon whiff finish ici. C'est un vertical. Changwa ne peut pas passer en dessous. Wouhia! Voilà, on a les pierres qui volaient là. Oh, très belle Ajin encore une fois de la part d'Ajin et qui reclinque encore une barre. Ajin qui a claqué ses deux barres là. Très beau 3K ici de la part de Momo. Le tech crash ici de la part d'Ajin. Le beau step. Est-ce que ça va être la remontada pour Momo ici? Et non, le lot ici. La Beyblade avec le Nishaku. Ajin qui revient ici là sur ce match. La bonne patience de Momo, le beau GI. Et encore une fois, Ajin qui n'a pas voulu re-GI pour la deuxième fois. Momo qui prend les dégâts ici. Non, non! Ah, ok, Ajin maintenant. Ajin qui en a marre maintenant des Crybaby de Shangwa. Et très belle adaptation ici de la part de Momo avec le bébé. Pour empêcher Ajin de faire 2A. Ah, très bien vu. You can't stop me! Oh, le beau step de la part d'Ajin! Malheureusement, le A plus Black qui était beaucoup trop lent en finish. Aïe 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 aïe, c'est compliqué! Bon vlog ici de la part de Momo! Et le K ici là qui empêche du coup Momo de step. Et Ajin qui revient là ici sur ce match. Doucement mais sûrement. Oh, ce 3B terroriste ici là. Très beau de 2B ici de la part de Momo. Bon, beau spacing. Oh non, Ajin! Non, 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 non. Non, tu peux pas te prendre ça, Ajin, non. Aïe 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 aïe. What the fuck? Non, Ajin, non! Oh merde! Oh merde! Oh non, Ajin, s'il te plaît! Non, tu peux pas te prendre FC3B plus K et juste après un Earthquake totalement random, tous ces E. Non! Non, je conçois pas ça! Non, non, c'est juste honoré! Aïe 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 aïe, Ajin qui se fait avoir par des trucs du c'est même pas des trucs du turfu, des trucs qui n'existent pas. Aïe 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 aïe.
Mais en tout cas, la petite folie de Momo ici qui lui a permis de, d'avoir la victoire avec un presque parfait. Pierre lol. Alors, on est sur du coup la map de Gérald. On voit que dalle sur cette map, ça fait extrêmement nuit. Aïe 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 aïe, encore une fois, Jin qui ne veut pas GI. Est-ce que c'est un ring out? Non, ce n'est pas un ring out. Aïe aïe aïe, peut-être avec 4B ça aurait ring out. Mais ça va, Momo qui se laisse pas avoir ici. La bonne chop ici de la part de Jin. Oh, très... c'est dommage, le C3 il était bien vu. Try this. Très bon poke ici là de la part de Dajin. Momo qui n'arrive pas à trouver une ouverture. Oh, très bon FC3B ici là de la part de Momo. Et encore une fois. Non. Pas deux fois quand même. En plus, ça tue. Dajin, il mérite des coups de baguette là. Il mérite des coups de baguette, il mérite de manger encore des chouquettes empoisonnées là. Aïe 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 aïe. Ouh, ça aurait pu être très loin, un très bel étalit ici de la part de Momo. Il a fait de pas. Bon, poke ici de la part de Dajin. Aïe aïe, Momo qui ne met pas sur la garde et qui préfère appuyer encore une fois sur le GI. Aïe aïe aïe, Momo qui a oublié le bouton garde ici sur ce round. Très beau FC3B encore une fois de la part de Momo. Ah, il n'a quasi pas baissé sur le Sissa. Oh, très beau deck. C'est confus. Et enfin Adjin qui a choisi de rejouer derrière. L'adaptation d'Adjin qui est enfin présente. Ah, est-ce que ça va wall? Non, on va pas tenter de wall. Très beau step ici de la part de Momo. Oh! Et Adjin ici qui a eu beaucoup de chance sur ce 3B là qui n'a pas le lunch et du coup qui survit. Ah, y'a Momo qui n'a pas d'autre choix ici que de claquer la sous-charge. Qu'est-ce qu'il va faire? Sous-charge contre sous-charge. Oh, le rush total! On a vu Adjin qui a tenté de rush aussi. Mais le rush total de Shangguan qui est plus rapide. Et encore une fois, très bon wifi ici de la part d'Adjin. Voilà! Bonne finition ici de la part d'Adjin là sur ce 6A plus B. Très beau launcher ici de la part de Momo! Qui encore une fois troll ici avec le C3B plus K. Et très bon step into CE. Stop me! Nanchate! The battle is over. Et du coup, Momo qui remporte le deuxième match. Step into CE. Alors, sachant que je suis un peu en train de taper sur les doigts de Momo concernant le relevé step. Voilà, ça lui a servi. Mais oui. Je lui tape un peu les doigts dessus parce qu'il le fait beaucoup trop. Et là, ça a fonctionné. Imagine qu'il y a... Il a sûrement anticipé un crybaby en vrai. Parce que le jump il faut... Oh putain! Oh joueur! Parce que ce coup là, je sais pas c'est quoi l'input de ce coup de Maxi là où il fait boom avec ses nunchaku là. Et bonk. Ça touche le crybaby donc je pense qu'il a dû anticiper un crybaby à ce moment là. Donc pas t'aimer, Adjin. La bonne pression ici de Momo. Et Momo, la bonne adaptation ici, là. 2-3 fois. Oh non! 2-3 fois, Adjin qui a fait des 2A dans la stun, c'est Momo. La très bonne adaptation avec le GI. Round très propre ici pour Momo, malgré le drop de. Le drop du wall. Mais en vrai, c'est pas sa faute, c'est la faute au wall. Le wall n'aime pas Shangguan. Ah, tu vois?
pas où il finit, j'ai trop bête. Il y a Jean qui a laissé tomber la petite écharpe rose, je suis déception. J'aimais beaucoup la petite écharpe rose. Oh! Le GI dans la GI. Aïe 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 aïe, y'a Jean dans le turfu ici. Le mur qui a cassé, mais il est pas vraiment en faveur d'Ajin ici là. Ouh. Oh, très belle shop basse ici de la part de Momo. Momo qui revient doucement mais sûrement, mais qui n'a pas des shops, la shop, et du coup, c'est le décès. Adin qui a tenté un refinish, on a vu les flammes de la honte ici là, qui s'est fait attraper par, par le 4DA. Et encore une fois, très belle AG ici de la part de Momo. Ah non, ici là il était un peu trop loin, il a tenté une troisième fois l'arnaque. Et comme on dit, jamais 203 hein. Et la très belle punition de Momo ici. Et ça c'est le décès. Manchaté. Petit proc ici de la part de Jin. Jin qui arrive à faire des dégâts ici. Bonne garde. Oh le beau duck ici de la part de Momo. Oh là là, ce petit fusil doc là ici de la part de Momo. Et la chope, et ça c'est le décès du coup qui donne le deuxième point à Adzim. Et du coup on en est à 2-2. Welcome to the stage of history retold. C'est mignon, ils disent la même chose dans l'écran. Let's do this. Donc on en est à 2-2 pour ce FT5. On se retrouve dans la map de la forêt. On va probablement voir au moins 10 fois aujourd'hui. Bon là, l'engagement ici de la part de Momo. La bonne chope encore une fois de la part d'Ajin. Bonne punition. Petit wi finish assez timide mais qui fonctionne ici pour Momo. Oh là là, Shangwa qui fait des trucs de Shangwa ici là. La bonne patience de la part de Momo. Oh, très bien vu ici, ici. En plus B. Et très bien vu, le 4-4A. Le 4-4A Charlie du coup. Qui a puni la tentative de GI de Adi. Ah, le son de qui? Le mien ou celui du jeu? Encore une fois, très belle observation de Momo ici là. Et encore une fois, aïe 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 aïe, tellement d'agénie, tellement de létalite ici là. Non. Non, je vous jure, Adi, au mix-up, tu vas avoir des chouquettes, mon gars. Trois fois d'affilée, tu peux pas. Tu peux pas. C'est juste un non. Non, non. Oui, quand même, faut pas abuser. Faut pas abuser non plus, la reine, ça aurait été Tira, à la limite, peut-être ça aurait passé. Mais très beau whiffing de la part de Momo ici avec le petit 3B terroriste. Comme on les aime. Ouh, très beau 3B, encore une fois de la part de Momo là. Et encore une fois, et ça c'est le décès. Et Momo qui stylish. Les points de style avec la CE. Les dégâts mentaux, ils sont là. Manchaté. De manière générale, ah, bah ça il faudra dire à Momo une fois qu'il aura fini. Alors je vais pas parler plus fort parce que sinon ça veut dire que je vais hurler. Et
Et il y a des gens qui seront pas contents. Mais oui, non, Adin, il aura des chouquettes, hein. Qui aurait cru que leur squeak aurait été aurait été un peu décisif. Chobo. J'ai l'impression de Momo ici là, qui s'est déchiré. Voilà, j'ai l'impression d'Ajin ici là en stance. Oh, très beau essai de 3B ici de la part de Momo là. Non, non, non. Oh, il s'est baissé, mais il était trop loin. C'est confus. Et la chope ici. Momo qui tend le bras à Ajin. Et Ajin qui tombe comme un caca. 3-2 pour Momo. Mais Momo, il joue, il update pas le scoreboard. Allez, Momo qui a tenté de taper ici, là. Arrête! Ajin qui a bien retenu la leçon là après les trois létalites. Et qui a gentiment appuyé sur la garde. Qui a fait whiff Momo et qui a fait mourir Momo. Ah, c'est pas des lapins, c'est un chat. On n'entend rien. Attendez, j'ai essayé de changer le micro de mon côté. Peut-être mon micro aussi. Attendez, hein. Est-ce qu'on m'entend mieux, là? J'ai changé de micro. On risque de m'entendre respirer. Je m'en excuse, mais peut-être qu'on m'entend mieux. Non, du coup, qu'est-ce qui se passe, là? Là, ils sont presque égales à la vie. C'est mieux? Ok. Presque égal à la vie ici. Momo qui... Alors je sais pas si c'est passé. Est-ce que Momo a eu un moment d'absence? Est-ce que c'était... ça faisait partie du plan? All according to the Keikaku. Et le 6BA pour terminer ici. Oh, ça a taunté tout, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils sont jetés des chouquettes avant le match ou... Bon, j'ai dit, c'est de la part d'Ajin. Aïe, aïe, tous ces counters ici, là. Est-ce que c'est le perfect? Oui, c'est le perfect. Aïe, 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 Ajin qui retombe derrière. Aïe, 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 aïe. Ah, là, la pression d'Ajin là qui est assez monstrueuse ici. Bon, qui a du mal à trouver une ouverture, qui a du mal à se déplacer. Le bon contre ici trouvé pour Momo. Oh! Je pensais qu'Ajin allait tenter une CE ici. Momo ici n'a pas d'autre choix que de. Sous le charge! Ajin qui est resté sage cette fois! Oh là, ça va faire extrêmement mal ici! Oh là là, regardez la barre de vie d'Ajin qui a totalement fondu! Et sinon, la sous-charge de Shango elle est nulle! Mais malheureusement, ça n'a pas donné la victoire à Momo qui s'est fait avoir par le Wacha. Welcome to the stage of history retold. Ozora qui vient au mix-up. Et du coup, on est à 3 à 3. Ah, Ajin qui a remis la petite écharpe rose.
Fornims. Ça se regarde. Oh, c'est dommage, la Gigue aurait pu prendre ici. La bonne interruption ici de la part de Momo. Oh, ce très beau FC3 Bar Standing là qui lui a permis du coup d'éviter. Oh là 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 là, et encore une fois. FC3B plus K qui passe. Et ça, c'est le décès de la part de Momo. Momo là qui s'aïlish un petit peu trop, qui force un petit peu trop là sur les setups inexistants. Et très bon. Très bon backdash et tout, c'est de la part d'Ajin. Et ça va faire extrêmement mal avec le mur et c'est imperfect. Et oui, Ajin qui a vu le crybaby et qui a fait bonk sur la tête de Momo. Encore une fois, le bon lot ici de la part d'Ajin, le létalite. Est-ce que ça peut... Non, ça peut pas ringard, là, c'est un peu trop loin. Mais si, effectivement, Maxi, parfois, il a des ringards un peu cassés. Oh, le très beau step, et ça, c'est... Non, ah bah non, c'est pas un ringard, donc... Fucky. Alors, est-ce que c'est l'heure de la remontada, là, pour Momo? Oh, qu'est-ce qui se passe? Momo qui passe à travers. Le mix-up. Bien vu de la part d'Ajin ici de rester au sol. Aïe 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 aïe. Il y en a un qui whiff, c'est fini. Pas de punition, mais ça j'ai eu derrière du moins 14. Aïe 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 aïe. C'est tellement confus, mais c'est pas grave, ça donne la victoire à Momo. Et encore une fois, très bon whiff finish ici de la part d'Ajin. Ajin qui n'a pas peur d'utiliser ses barres. Hein. Watcha! Oula, bon, Momo qui a tenté un 2-2B qui s'est transformé en 9B. Going somewhere. Oh, c'est un rig-out ça! Mais oui! Aïe aïe aïe, ce 3B terroriste là, qui fait plaisir. Momo qui doit faire extrêmement gaffe! Voilà, c'est ce que j'allais dire. Momo qui doit faire gaffe parce que Max Ajin a 2 barres et voilà. Ajin qui ne lésine pas sur l'utilisation des barres. Un whiff, une barre. Il a raison. Mais Momo là qui danse devant Ajin. La bonne garde. Oh, on a vu les flammes de la honte! Aïe 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 aïe! Oh, est-ce que c'est un regard ça? Non, Momo qui ne choisit pas le combo de 9-9K, mais plutôt le 6BB. Oh, et ça c'est le décès, même pour un PV, on sait eux, les dégâts mentaux sont là. Nanchate! Aïe 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 aïe, Gina qui a perdu tout le mental après, après avoir vu les flammes de la honte. Et du coup 4 à 3 pour Momo, balle de match pour Momo. Welcome to the stage of history retold. Sams qui sera en télétravail au mix-up, quoi? C'est ça le bail ou j'ai mal lu? Sams, il va jouer au mix-up, il va faire un match, après il va retourner sur son ordi, il va travailler. Il va revenir, il va refaire un match, il va retourner sur son ordi, il va prendre un appel. Ah, l'hôtel, d'accord, toi tu m'as fait peur. Je te voyais ton ordi et ton taf là au mix-up, je t'en veux kiffer. Oh, la bonne lecture ici de la part de Momo sur cette shop basse. La bonne shop aussi de la part de Max d'Ajin. Ajin qui ne change pas sa shop. Il a bien raison, parce que Momo ne déchire toujours pas. Et encore une fois, les bons ducks de Momo ici.
La patience. Oh, attention, whiff ici. Bon, whiff finish la part de Dajin. Le 4-4-A. Aïe, 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 aïe. Et le low ici. Aïe, aïe, c'était tellement tendu ici, là, à cette fin. Très bien vu de la part d'Ajin avec la Beyblade. Encore une fois, le très bon J ici de la part d'Ajin. La bonne pression de la part de Momo avec ce AA. Oh là là, Momo là ici qui a raison. Aïe aïe aïe, mais c'était quoi ce whiff ici? Très bien vu ici Ajin. Watch out! Ah, Momo qui freeze, Momo qui bug. Oh, très bien vu. Non, Momo ici qui a raté le follow-up. C'est bon, il a gagné. Aïe aïe aïe, c'était la panique ici là. Momo qui avait la victoire garantie ici, mais qui a raté son 6B qui s'est transformé en 6-6B pour une raison inconnue. Oh, très beau GI ici de la part de d'Ajin. Non, non! Oh, il s'est baissé! Oh mon dieu, il s'est baissé! Incroyable! Et très beau whiff punish de la part de Momo! Aïe 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 aïe, c'est tellement confus! Et Ajin qui tombe pour des raisons inconnues. Et encore une fois, le whiff puni par la CE par Ajin. Wacha! Le cry baby qui est contré par le run kick. Jamais vu. Et ça, c'est le décès ici. Le round assez clean ici de la part d'Ajin. Ajin qui revient. Non, mais sûrement, c'est la balle de match pour Momo en vrai. Hein. On a 4 à 3 pour Momo. Et encore une fois, le bon duck ici de la part de Momo. Ajin qui est dans une mauvaise position, qui roule. La bonne pression ici de la part de Momo. Pas oublier d'utiliser les barres, voilà exactement. La bonne déchoppe ici. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris ce qu'il a fait, mais soit, ça fonctionne. Le cancel ici de la part d'Ajin, et ça c'est le décès avec la CE derrière. Non! Il aurait pu CE, je pense que ça aurait tué. Oh! Le 3B qui a pas match! Mais non! C'est moi 12! Quoi? Quoi? La garde elle est où là? La garde elle est où? Il a CE après un 3B? Alors déjà il CE après un 3B, mais pourquoi la CE est passée? Il y en a un des deux qui a pas appuyé sur la garde. Je sais qui c'est. Je vous laisse deviner. Il y en a un des deux qui a pas appuyé sur la garde et qui aurait pu gagner en mettant la CE juste après. Aïe 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 aïe. Arrêtez de debind vos boutons G hein. Vous savez qu'appuyer sur G c'est bien hein. Aïe 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 aïe. Mais après on parlera pas d'Ajin qui est assez après à moins 12. Mais effectivement c'était très confus. La fin là elle était très confuse hein. The tragic fall of the cherry blossom magnifies its beauty as with life. No, it's not a rabbit, it's a cat. It's Neko Shangwa. Ah, plus ça stunt et tout, aïe aïe aïe.
Ça a l'air d'être de la taunte consentie. Ah, le 4 Rice, il a quitté un petit peu trop lent. Oh, ce relevé là. Relevé into CA plus B, très bien vu ici de la part de Momo. J'imagine qu'il a arrêté de faire des 2A dans la stance, il avait raison parce que ça fait mal. Et bien vu ici avec le low kick. Je vais pas critiquer ce custo, c'est pas moi qui l'ai fait hein. La seule personne qui sera vexée, ça sera Momo, ce sera pas moi. Eh, Momo là qui veut pas appuyer sur la garde ici, mais encore une fois très bien vu ce CA plus B. Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait des... Ça fait des feintes. Et ça c'est le décès ici, oui ça l'est. Ah mais non, faut pas critiquer Shango. Ah non, ben non. Ça passe ça? Oui, ça passe. La reine j'ai pété. La Jin qui a mis toute sa vie dans ce run kick qui a été... Oh. C'est compliqué là pour Momo de revenir. Ouh, j'ai cru que c'était une CE. Oh! Bonne déchoppe, le bon FC3B ici, ça va faire très très mal. Aïe aïe aïe, ils sont presque à égalité au niveau de la vie. Et la bonne chope, c'est pas le décès. Et le 6BA. C'est quoi le 3BB de Yoshi? C'est quand il fait l'hélicoptère avec son épée là? C'est moins 16, c'est 6A plus B, c'est moins 16. C'est celui-là, là, qui vient de faire. Oh là là, est-ce qu'il peut tomber ici, Momo? Non? Il a appuyé sur la garde? C'est compliqué? Oh, les positions se sont inversées! Ouais, tiens! Oh là là, c'est tellement confus! Oh! Ajin qui a claqué un RI ici. Ça aurait pu fonctionner si Momo avait... Avec son charge et ça c'est le décès. Et du coup Ajin qui remporte ici 5-4. Je reviens 2 secondes. Vas-y. Et du coup Ajin qui remporte la victoire pour son premier OFC. J'allumais juste la lumière. Ah putain. Mais... c'était marrant. Les matchs étaient cool. Aïe aïe aïe. GG à Jin, c'était cool. Bon, il y a juste sur un match, c'était le dernier, à un moment j'ai whiff sur un move que j'ai fait. Mais bon, après c'est le jeu, hein, mais il y a des trucs, on s'est fait avoir tout. Je pense qu'il y a eu plein de trucs qui n'ont pas été des deux côtés, mais c'était très marrant. Alors après, si de ton côté, il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Je vais pas te mentir. Hein. Donc, GG à Jin, c'était drôle. C'était cool. Prend son tout premier match d'OLS, en tout cas, c'était très rigolo, effectivement. Par contre, à Jin, même si tu as gagné, je vais quand même. Tu vas quand même manger des chouquettes empoisonnées. Hein. J'ai vu 2-3 trucs là, c'est juste non. Donc, tu seras forcé à manger mes chouquettes au mix-up. Voilà, c'est ta punition parce que il n'y en aura pas qu'une de chouquette, hein, parce que c'était juste non. Donc, mais c'était rigolo, en tout cas, c'était rigolo. Il y avait des trucs, c'était un peu en mode. C'est pas trop ce qui se passe. Ouais, bah mais, si tu veux, imagine, il faudra qu'on joue hein, parce que c'était très marrant. Hein. Comme ça me permettra de taffer Maxi en même temps aussi. Voilà, bon, plus important c'est que tout le monde se soit amusé. Ah oui, ouais, moi les matchs, honnêtement je pensais pas que les matchs ça allait être comme ça, mais c'était très rigolo. Moi perso j'ai bien aimé. Ah gros, si tu peux sortir de la salle à Jin. Ouais, c'est la Jin par contre, ouais, faut que tu t'en ailles. On est en retard sur l'emploi du temps en plus. Du coup le deuxième match va être... Mental contre Abby.
Mandel contre Abby, effectivement. Ah, tu veux qu'on te vire? Bah vas-y, regarde. Ah, on va se donner... Ah bah il est parti. On n'a pas été assez rapide. On va éviter Abby du coup. Hop. Par contre, je crois que j'ai pas mental. À moins qu'il ait un pseudo, je sais pas. Ah merde, j'ai pas mental. Non, non, c'est mental. Attends, je te l'envoie. Voir le profil. Comment on fait pour copier Ah bah c'est bon, il m'ajoute en ami. Ah, ok. Désolé, excusez. J'aurais dû regarder ma liste avant, j'ai pas regardé. Alors, hop, c'est bon. Mental à nouveau, pas du tout. Mental est un joueur suédois qui participe beaucoup à l'OFC et qui sera là au mix-up d'ailleurs. Ah. Ouais, Mental et Peggy, les deux Suédois, seront là au mix-up. C'est un joueur d'Aomaru. Et il participe beaucoup à l'OC, il a fait... Il fait beaucoup les LYC aussi, non, non enfin, les EOS, là. Il a fait quelques EOS aussi, mais il a surtout fait beaucoup d'OFC. Donc il est suédois, et il sera là au mix-up avec Peggy. Donc il joue à Aomaru, de manière générale. Donc l'un des rares Aomaru européens avec Abba. Mais non, Mental, ça fait un moment qu'il est là. Je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé, parce qu'il est arrivé assez tard, mine de rien. Je crois qu'il est arrivé genre peut-être durant la période de Covid ou un petit peu après, à la période de confinement plutôt. Mais oui, un bon Aomaru. Il joue pas un autre perso aussi à côté? Si, il joue quelqu'un d'autre, je sais plus qui, Gérald, je crois. C'est ce que je suis en train de chercher, je crois qu'il joue Gérald aussi. Mais de manière générale, il va rester sur AO. Ah. Et un très gentil joueur également. Force. Alors oui, par contre, il y avait quelqu'un qui avait posé la question là, par rapport au score qui était plus roclote. C'était dû au fait à un moment, c'était entre guillemets la faute à Rosa. Parce que. Bravo. Non, mais j'explique pourquoi. C'est parce qu'à un moment, en fait, elle avait. Le 1 ne rentrait pas, en fait, dans la barre de score. Ah merde! Et j'ai dû le réduire, en fait. Quelle idée de gagner 10-0 aussi. Pas vrai, du coup, Abby et Mental. Abby qui sera là au mix-up aussi, hein. Ouais. Ces deux joueurs seront là au mix-up. Abby en ce moment qui joue beaucoup Cassie. Alors, je sais pas s'il a envie de perf avec elle. Bah, je sais qu'il est dedans, je sais pas s'il va jouer sa Mina au mix-up, tout ça. Ça dépend, parfois il retourne un peu sur Mina, quand il sent pas trop Cassie. Attendez, je suis désolé s'il y a un petit problème au niveau des scores. Vas-y, règle ton score. Non, c'est juste en fait qu'il y a un petit décalage, mais on verra bien. Donc du coup, la chope bouclier. Ça c'est le coup de gourde dans les dents. Ça bouge plus que ça bouge beaucoup, hein. Bah déjà il y a Ao qui me donne la gerbe de base. Ouais, déjà pour bouger c'est un des meilleurs persos en termes de. C'est le backdash, je crois que Aomaru c'est meilleur. Hein. Backdash, ouais, l'un des meilleurs backdash effectivement. Il a un bon step aussi, hein, de... Ça je sais bien, pas. Hein. Après les. Bien, le coup de. Ça c'était le rôle bébé, ça je crois. Attention, on est en rage explosion à côté pour Ao. Oh, la bonne punition ici de la part de Abby. Je bois de l'alcool, ça rend plus fort. Les tornades. Oh le J. Il y a rien derrière, mais c'est pas grave. Je savais même pas qu'on pouvait gérer ça. Bah nous on s'en fout, on passe en dessous en fait. Donc, ouais, c'est GI, vrai. Passer en dessous. Bon, après contre un spam GI, ça passe pas. Enfin un spam tornado, on peut se le manger. le coup de pied, le coup de katana. Ça se regarde beaucoup ici là. Abby, ouais, qui prend son temps pour approcher, hein. Avec Cassie, il a pas du tout de range. Le coup des cymbales. Il doit faire très attention quand il approche. Aïe aïe, Mental qui écrase les pieds d'Abby, c'est très mal poli tout ça. Pourquoi Ziyang va mourir? Oh, c'est comme ça, Jim, je sais pas. Je sais que j'en abuse du crack d'Abby, mais. Oh, et le AK ici là. Bonne interruption sur le bébé, bien vu de la part d'Abby. C'est le business de Ziyang ici, voilà pourquoi. L'écrase les orteils. Tech Death de A. Abby qui essaie de mettre un peu de pression ici. Décroche patte. Les dégâts. Le dragon qui nous a fait là, Maru là. Mental qui poke très très bien là pour l'instant. Abby, ouais, a un peu de mal à s'approcher et à trouver une ouverture.
ça resterait pas si chiant d'avoir mal, la vie hein. Power slash, ah part de mental. La soul charge, attention, on passe au mode vénère avec Cassie. Oh, quoi? Quoi? What the fuck? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Il lui a dit stop en lui piquant le beat, quoi. Il a pas déchopé. Ah, time for a shock, ça a été puni. Oh, très beau, tu sais, la part de Dabi. C'est beau. Non, pas de c'est beau. Le, non. Ah, il a voulu anticiper la chope basse. La chope qui a été déchopée. La bonne position ici de la part d'Abby. Oh là là, Abby est dans une attention, mauvaise position. Ouais, oh on non, est au bord. Non, ça va sortir ça. Oui, avec la charge. Un peu de la part d'Abby. Et du coup, ça fait 1-0. 1-0 pour Abby. Très belle reconversion ici de la part d'Abby. Attendez, je crois qu'il y a un problème encore avec les scores là. Welcome to the stage of history retold. Attendez, là, il y a un gros problème avec les scores. Là c'est bon, il y a 1 pour Abby. Ouais, Abby elle a 1. Enfin, il a 1, pardon. Ils ont changé de côté par contre. Oh, j'aime bien le skin de Abby là. Ouais, très. Je sais très pas si c'est une référence à quelque chose là. Oh, s'il y a une référence à Dark Souls, c'était à cause des sons. Parce que là, la musique là, qu'il y a en fond, c'est du, c'est du From Software. Donc, J'aime beaucoup être très Dark Souls. Là, il y a une petite touche de Dark Love avec le violet. Je pense que je peux l'engager dans mon équipe Dark Love avec ce skin. Hein. J'aime beaucoup. Excusez-moi, la régie qui a encore des soucis, ça façon à chaque stream la régie a des problèmes. Oh, très beau les... Oh là là le... Oh le duck la... Magnifique. Ah là ça se regarde, ah. Le pic-pic dans le bide. Le 2-1 encore. La chope qui a été déchopée. Ah ah. Je crois que t'es en... On est décalé. Ouais, on est décalé. Le prochain match, je vais éviter de toucher. Je vais essayer de pas toucher à la régie, puisque j'ai touché là, à la régie. Fini. C'est peut-être pour ça. Ouais, là c'est fini là. Ouais. Bah là, c'est juste terminé pour moi. Je suis à 57 secondes. Je suis à 57 actuellement. On est décalé, ok. Super. On est dans une timeline différente. C'est ça. Bah à chaque fois, hein, quand c'est nous deux, on est toujours dans une. Ouais, c'est bizarre, hein. Ah oh. Très bien vu ici là. Le 6 bébé en divine force. Oh! Il a voulu choper. Aïe aïe aïe. Mental de la clinique n'a pas appuyé sur la garde. Non. Appuyé sur G, près de J. Eutel en note bientôt. C'est pas moi qui m'occupe de l'Eutel, donc j'en sais rien du tout. Mais vu que Nashley veut prendre une pause au niveau Théo, je pense pas qu'on va avoir un Eutel hein, en vrai. Ah, c'est un. En tout cas, si on en a un, c'est pas du tout maintenant. Bah, je pense que déjà, ils vont attendre le mix-up et peut-être le ouais, LYC. Ouais, Nashley il a pas mal enchaîné aussi, donc il va prendre une petite pause. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je devrais faire la même chose. Et ici, très bon round, assez clean ici de la part de Mental. De Mental qui remporte son premier round, ouais. I really like this cast too, it's very Dark Love-ish. I could hire Abby in my team. D'ailleurs, Abby il utilise votre calibre hein, parce que là, sa Cassie elle a la peau blanche. Mais il a les yeux violets aussi. Ouais. Bon, we finish ici de la part de Mental avec l'épée dans le bidou. Ah ouais, you can, Jabba GG. But ask Abby if you want to take the V-skin. Oh, et ça sort. Ah non, c'est pas sorti. La sous-charge. On va mettre la pression. Oh, c'est pouf. Le power slash. Ouais, qui a oublié le deuxième coup ici. Aïe, aïe, aïe. Et puis ça fait mal, hein. Oh, oh le pari! Très beau pari de la part d'Abby. Ah dommage, ça vous fait. Il donne la poussière. Oh là là, tellement de violence ici là de la part de. Ah mais Aomaru en samouraï c'est violent hein, c'est. Attention la sous charge. Ah il a eu un, il a gagné un truc là, j'ai vu là. Oh et ça c'est le DC. Et c'est le croche patte, un partout. Je vais attendre avant. Comme ça on verra si on n'est pas décalé. Mais j'espère qu'on n'est pas décalé là. Là j'ai rien touché hein. Attends que le match commence bien et après tu toucheras le. Ouais. Oh, bon. Alors est-ce que Abby va changer de personnage? Ouais. Alors non, en fait il y a Dark Cassie et Cassie normal. En fait ça c'est Dark Love Cassie mais en mode casu. Et après c'est quand elle met son armure et qu'elle va aller péter des culs.
Enfin, je dis ça, mais Abby, il est pas dans Dark Love, mais... Alors, t'as combien de temps, là? 59, ça vient de commencer. Ouais, moi, je suis à peu près ce temps-là aussi. 54, 53... 53. Oh, ah, le bon, regard. Ah, attendez, ils ont changé de côté, du coup. On n'est pas décalé? Apparemment, non. Ok. Ah, attends, très beau ring out ici de la part de... De mental. Alors, on a un partout. Hop. Ouais, bah, je pense que je vais arrêter de changer les scores pendant... On verra bien. Là, il a fait les coups de maracas, là. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. Ouais, on est au bon timing maintenant. Attention, on est en rage explosion. Il ouais, y a une sacrée pression. Une punition. Mais attention, Aromaro, il peut sortir. Hein. Voilà. Ah, il a déchopé. Il a anticipé aïe. Abby. Ah, il chope qu'à wiffer. Le croche-patte. Mental qui revient lentement, mais sûrement ici. Ça se regarde. Ah, oh, le dragon. Mais ça vient de nulle part. Ça serait passé en bloc, il aurait été mort. Hein. Ah oui, c'est clair, ouais. Oh là 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 là, mental. Dans le futur. Le relevé K. Oula, il l'a attrapé. Elle l'a attrapé en l'air, Cassie, là. La chope, give up. Coup de pied dans les chevilles, pardon. Oh, bien puni, ça. Il a un très bon rythme. Avec la sous-charge. Non, oh, encore un tir en plus, la toupie. Pas de Beyblade pour ah, Abby. Cette fois, non. Ah, Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est tellement confus là. La sous-charge. Oh, je sais qu'Abby à un moment il jouait un peu à Omaru. Donc peut-être qu'il le connaît aussi un minimum. Bah, après Abby il joue tout le casse. Oh casse, là, encore hein, une fois là le launcher qui passe mais totalement random. Et oh, encore là, un power slash qui passe. Dans le turfu. Mais comment il peut balancer un coup aussi unsafe comme ça en mode allez. Dans le neutral comme ça en mode allez on y va. Après il faut faire attention parce que c'est peut-être unsafe le power slash mais AO il a le deflect derrière aussi. Ah oui, deflect. Ouais mais je sais plus à combien de frames exact ça deflect, je l'avais noté en plus Tsukuri m'avait expliqué. Ouais je pouvais pas te dire. Oh pardon excusez-moi. Mais en tout cas très bonne maîtrise de ce launcher là de la part de Mental qui est totalement dans le turfu avec ça. Très bon rythme là de la part de Mental. Du coup là on est à 2 à 1. Oula, Mental qui se retrouve du dos là, prenez le temps. La chope qui fait mal, le 1K. Encore la chope qui a été déchopée cette fois. Là se regarde, oula. Oh très beau. 1-2-3, très beau spacing là de la part de Mental. Oula, ça whiff là dans tous les sens. Ça whiffé, ça se regarde, ça whiff. Il se déplace bien Mental, j'aime bien sa façon de se déplacer avec son AO. Non, son spacing est quand même assez bon, Mental. Même au corps à corps, il arrive beaucoup ouais, à... Ouais, c'est ce que je viens de voir, en se déplaçant, il a fait whiffer une chope d'Abby. Bah après, Cassie, il a pas de range non plus niveau champ. Non, mais bon, bah après, si ça aurait été contre Nightmare, je pense que Nightmare, il l'aurait quand même attrapé, mais... Parce qu'on sait que mais Cassie... Mais même au corps à corps, Mental, il a des bons petits pocs, là, avec ses lots et tout, ses bébés, les lots et tout, il arrive bien à mixer entre les deux et à conditionner. Mm-hmm. Mental qui essaye. Oh, très bien vu ici ce relevé B là de la part d'Abby. Donc, ah oui, ah. Alors ça par contre, à chaque fois on a tendance à oublier. C'est le deuxième coup d'épaule en bark knuckle, je crois. Oh, attention, c'est tendu. Oh, oh, ça a passé. Oh, dommage. Oh là là, ce whiff punish la part de Mental là. On a vu un gros plan sur la tête vénère de Aomaru en même temps. Aïe 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 aïe, très belle réaction de la part de Mental. Bon, il finish encore une fois. C'est vraiment tendu hein. Là aussi ça joue full poke hein. Ah, elle l'a attrapé en l'air, elle a fait poule. Je sais pas si t'es décalé par contre Val. Non, là ça va. Il y a eu le coup de fesse là entre deux. Ouais. Attention là, il y a la pression et dans les chevilles. Très belle remontada de la part de d'Abby sur ce round ici. La chope encore. Ah, la chope qui a été. Oh, le bousac là, de la part de Mental qui a pas continué la suite, dommage, elles sont relevées. Ouais. Encore la chope. C'est un match de catch là. Oula. Non, bonk. Ah, le power slash. Ah, oula, c'est passé. Abby qui a tenté ici de faire le 2-2-2 plus. Encore une chope déchopée. Oh putain, mais la pression qu'il met rien qu'en se déplaçant. Oh, ça passe. Oh, comment ça. Oh la vache.
J'étais en train de dire, putain, il faut pas que Mental le perd avec ses deux barres, mais il a utilisé sa barre. Il a utilisé sa barre. Mental, il a pas le temps, là. Le 3D... Non. Mais c'est fou, c'est la pression qu'il arrive à mettre au corps à corps en se déplaçant sur tous les côtés. Mm-hmm. Et là, il se déplace sur les côtés en mode... Et puis, ça c'est perturbant, hein, parce que... Il tourne en rond, tout ça, ça peut faire whiffer un coup, bah, genre des bébés à la con, quoi, tu sais, tout ça. Mais ouais, non. Ouf. Oh, en plus, il fait le salto ici, là. Ah, la garde d'Abby, là, qui est dans le mal. Qui est dans le mal. Putain, c'est le décès. Aïe, aïe, aïe. Oh, ah, et méga chaud mental, là. Méga chaud mental, ici, là. Abby qui avait bien remonté et qui, bah, malheureusement, il est mort. Il gagnait 2-1. L'équipe Maxi tient pour Ao Maro actuellement. Ils sont amis, Maxi et Ao, je sais pas, mais ça va être un compagnon de beuverie. Ouais, je pense, ouais. Mais effectivement, mental très solide ici, là. Sur ces deux derniers matchs, ça a été extrêmement solide. Bah, t'as la rediff, totem, hein. Tu pourras avoir la rediff. Hein. J'adore la boisson moi-même. On se bat chez Geralt. Le AK. Le croche-patte. Ouais, il bloque bien. Oh putain, c'est méga tendax. Hein. Oh, le bouclier dans la gueule. Il a que n'a pas réagi sur la stance. Right here. Le bon relevé BI ici de la part d'Abby, ça va faire très très mal en plus à Gabi. Ah non! Il y avait un combo après la tornade là. Le B plus K. Ouh, ça foiré! Oh, et le coup de fesse là. Le coup de fesse dans le mur. Abby qui a pas eu froid au jeu là, il a bourré son Ah, il a foncé là. Et il a eu raison, ça a payé. Ah, c'est clair, ouais. Attention. Ah, dommage, il a pas profité du clash ici là sur son. Aïe aïe aïe, la chope basse. Très, très belle confirmation ici là du 3K en contre une tout la shot. Là c'était un 3B. Time voilà, to fight. Qui est très, très bien. Ah là, Abby il est agressif là. Ouais, il a changé son rythme. Oh, il faut punir ça, c'est moins 10. Ah, Cassie elle a bien un I10. Hein. Ouais, il s'est baissé donc. Ouais, après il s'est baissé quand même. Là pour l'instant, Abby là qui a totalement changé son rythme. Ah, ça peut. Je sais pas comment. Non, le 3B ça serait pas passé sur le dragon là. La shop. Ah il a fait des just frame. C'est le premier Aomaru que je vois qui fait des just frame. T'as pas vu Abba toi? Ah non, j'ai vu Abba jouer une fois mais j'ai jamais vu faire le goal là sous l'attaque avec des just frame. Alors Abba il te sort les just frame easy, hein. Ah ouais, il arrive à faire tous les just frame. Ah oui, ça, on va le faire hein. Oui, t'inquiète pas. Ça je savais pas ça. Donc veuillez m'excuser, I'm sorry Abba. I didn't see, I did not know that. La bonne pression là de la part d'Abby. L'explosion. Oh, ça revenge. Je crois qu'Abby. La chope, Abby. La pression. Oh, 3-2. C'était tellement confus là vers la fin. Je pense que l'explosion qui a revenge Abby s'y attendait pas forcément. Non. C'était assez confus. Et là, Abby qui a changé totalement de rythme et qui s'est dit bon, on va arrêter d'essayer de reculer, de se regarder là. Bah, c'est surtout contre Ao. Il a appuyé sur plein de boutons et le changement de rythme, je pense, a surpris Mental. Et là, on a. Ao Maro qui a les yeux rouges, oui. Il est un peu énervé là. Oui, il s'est mis du savon devant les yeux. C'est le saké, ça, il a vu trop de saké. Ouais. Ou c'est le dope qui dit qu'il ne pique pas les yeux mais qui lui a piqué les yeux. Parce qu'avec cette très longue chevelure, il faut qu'il entretienne avec un bon shampoing. Hein. Alors, le score, nous sommes à... C'est tellement sombre. Ils sont tous les deux violets là. Et il fait nuit. La bonne finition ici de la part de Mental. Oh là là, ce whiff punish là avec ce 6B magnifique. Alors. Ici nous sommes à deux. God hell. Va en enfer. Voilà, ça passe dans la garde là pour l'instant des deux côtés. Zelensky, je suis désolé mais quand il fait ses poules on en a passé en temps de Zelensky. Excusez-moi. La bonne chope basse ici de la part d'Abby. Et encore une chope basse. Le 2K qui a... Ah, attention. Ah, le 2 plus K qui a été puni. Il a whiffé. Ah, dommage. Bien vu de la part d'Abby ici sur ce 2K. Ah, ça a interrompu le B plus K et encore une chope basse. 7
Ski. Oh oula, il a voulu choper là, on a vu là je crois. Take this. Voilà, c'est ta main tordue. Ça se regarde, ça se regarde. Il essaie de rester au corps à corps hein, là. Ouais, là on voit ouais, qu'il veut pas lâcher son os là. Ouais. Effectivement. C'est bien pour ça aussi que sur le Discord The Angoisse, ils appellent Cassandra la Bulldog. Là, 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 c'est eux. Oui, ça va tuer, ouais. Boom, Bichon. Voilà. La critique à l'aise qui est la même dans Samurai Warrior. Apparemment, l'alcool ça rend très très fort. Mais ne faites pas ça quand même. La chope qu'a wifé. AK. On écrase les orteils. La bonne pression là, ici de la part de. De mental, les bons POC. J'aime bien GGC, The Red Eyes, so scary. It's because of the sake. Yeah. He drank too much sake. Or vive le dope. Oh le beau step. Aïe aïe aïe. C'est pas passé. Le beau step ici, il a un peu trop pris son temps sur le 3B, j'ai eu un peu peur. He turned into monster when he drunk. Voilà, plus qu'un, encore un B plus grand. Oh, oula. Oh il a voulu, oh, il a voulu 1, 2, 3, il a voulu s'échapper. Et encore une fois, la chope à billes, pour l'instant, qui est en haut sur les chopes, là. Ah là, c'est tellement violent, là. Oh, ah, là, sous le charge. Pardon, Critical Age. Aïe, 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 c'est tendu. Mortro, please, Jabber, GG. C'est vrai que ça chope beaucoup, hein. Ça se regarde. Right here, the ski. Ah il a gagné un coup pour un létalite mais je sais plus la condition. Et là pour l'instant là il est très très bien mental. Ah ouais là, là il met la pression de ouf là. Ah bah le voilà. Aïe 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 aïe, il le rend tellement clean ici de la part de mental. Il avait une méga pression hein. Là c'est lui qui lui a fait dire c'est moi qui te colle, c'est moi qui te lâche pas. Et 4-2 là pour mental, mental qui lâche rien. Ah ouais, ouais, ouais. Abby qui ne lâche rien non plus. Hein, ah non, mais Abby il est déter. Hein. 4-2, mais c'est quand même assez serré. Et Abby, voilà, qui sort Mina. Alors je sais pas ce que ça donne Mina contre Aomaru, mais Aomaru, je pense qu'il a du mal quand même à s'approcher du perso. Bon, il a une bonne allonge quand même, Aomaru, mais. Mais surtout que là, Abby, il a plus d'autre choix que de rester sur Mina, hein, parce qu'il y a 4-2. Mmh. Donc, un peu plus counter. Ils ont changé de côté. Oh là 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 là, là, là il arrive à. Oh, le DB ici, là, de la part d'Abby. Oh, le létalite. Le létalite sur le côté. Need to up my custom game in a basic. If you want the tips for custom WGG, we can help you. We are stylish. Au moins, and I can help you, don't worry. Le AB. Bon, là, la... qui... B. Qui après le premier round avec Samina. Le kick. 6-6-A. Le 8-8-B. Allez, ça n'a pas puni. Le dragon. J'appelle ça le dragon parce que c'est la manip du. C'est un manip zigzag là. Comme Ryu dans Street Fighter. La manip zigzag. Ouais, c'est ça. Bah, je dis tout le temps le zigzag. C'est. En fait, c'est. De mémoire, je crois que c'est 4-2-1 la manip pour le faire. Mais moi, je dis le zigzag. La manip zigzag, trop chou. Et ça, c'est le décès. Aïe, le kick. Abby qui remonte bien là. Your ball army. Right here. Ah ouais, c'est dur, hein. J'ai l'impression que c'est dur pour s'approcher. Hein. Mm-hmm. Le coup de bord dans les dents. Une range comme celle d'Ao, ouais, c'est plus compliqué. Hein. Mais t'es méthode qu'il tape avec sa gourde, avec tout le saké qu'il a dedans, ça doit faire mal. Ça fait bonk. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça doit être une gourde magique parce que. Ah, c'est ce que ça va wall. Non, ça pas wall. Le un kick. Mental qui en a marre là, qui presse des boutons à la relever. La chope qui a wifé. Attention, la rage explosion. Ah, le riri. Il n'a plus qu'à aller. Il est qu'il allait sous le charge, à mon avis, ouais. Pas du tout. Abby est resté sage et a puni avec un très beau 3B in tous ses E.
Et du coup, ça fait 3 à 4. 3 à 4. Et pour l'instant, le Pixod Mina qui met bien. Qui met bien Abby, effectivement, qui avantage Abby. Hello Abba Duba. Totalement se réadapter. Hello Abba. Hello Tigra. A toujours les yeux rouges du côté de mental. Hein. Toujours plus de saké. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, alors là, Ao et Mina dans la forêt. Alors comment ils vont se déplacer là? Là, c'est une bonne question. Là, ils sont dans une boîte de sardines, les deux. Là, c'est compliqué. Ouais, ça, les bons pokes là de la part de. De la part d'Abby. De mental, pardon. Alors attendez, je vous diffuse juste les scores. C'est extrêmement simple là, avec des horizontaux et des petits pics ici. Il y a des petits pocs. Très bonne punition ici de la part de mental. Oh, et attendez, le pari, ça peut pas fonctionner. Attention, là, il y a une bonne pression. Le rôle bébé, ça va tuer. Non, ça tue pas. Oh, bien bloqué. Oh, je sais pas ce qu'il a voulu faire en sautant. Peut-être un UV, je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Un petit punch en mode nope. Ah ouais, c'est peut-être le... Ah, ça vous y fait. Le 3B plus... Le B plus K, le 2-3-6B chargé, ça fait très mal sur la garde. Ça vous y fait. Ah, mental là qui devient tout droit. Ah ouais, là, là. Izzy fait bien. Ça vise les chevilles. Voilà, ça... Merci pour le follow, B-Boy. Ah oui, ça c'est... Ça je connais, ça. Abby le fait souvent, ça. La chope. Ouh, ça va tuer, ouais, ça va, c'est juste ça. C'est. Ouais, si, ça tue ça. Mais non. Si. Yo, c'est un. C'est un classique de AO, c'est. Je te choche, je te mets un tout petit coup de pommeau dans les dents. Et après, c'est la sous-charge. La sous-attaque, pardon. La sous-attaque, la Critical Edge. Mais effectivement, comme dit Totem, vu qu'il était en Guts. Et pour ça, là, c'est la balle de match pour Mental, hein. En vrai, hein. Allez, il met bien la pression là contre le mur là. Ah ouais, oh mon dieu, là Abby il est coincé. Abby, aïe aïe aïe. La sous-charge pour Abby. Le 6-6-A. Le FC1 caca. Le AB. Oh là là, la remontada. Oh, ça y est, puni. Oh non. Il a raté le puni. Ah, attention Abby. Oh là, les coups d'épaule là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, la remontada de Abby. Oh là là, Abby, méga chaud, Abby! Sans froid de Abby! Ah, c'est clair! Je lui prenais des petits coups d'épaule, mais il a pas lâché, hein, putain! Oh, le 8B, c'est la step! Oh, la peine. Oh, joli, le duck! Très beau duck! Ça va faire mal, ça! Oh, très bien, attention! La pression, la sous-charge du coup, attention! Et encore la sous-charge pour le saké, ouais, c'est pas la sous-charge, oh, c'est le saké. Ça va tuer. Aïe aïe aïe. Oh, attention là, une barre pour mental. Oh ça. Attention. Ouh, bien joué. C'est Tandax, c'est Tandax. Ah ouais, mais la Abby, il est déter là. Oh là là, Abby qui remonte. Il y a Mental qui accuse. Mental qui va, là, attention. Oh là là, c'est tellement la sous-charge. Est-ce que Mental va utiliser la rage explosion ici? Ah, oh, ça va tuer. Oh là là, mais Abby, méga chaud, Abby. 4-4. Et finalement, le pic Mina, là, qui met bien. C'était finalement le bon choix d'Abby et qui le met très très bien. Et Mental pourtant qui avait tellement le dessus sur le round d'avant. Et je sais pas, peut-être qu'il a la pression, il avait un petit peu la peur de gagner en vrai. Moi, il m'a un peu fait cette impression là, d'avoir un peu la peur de gagner. Ah bah quoi, apparemment Mental a craqué. Il y a le même délire avec Tadlos apparemment. Tadlos, vous avez un clan là avec le clan des paniers là. Oh putain, Mental qui a craqué, tout nu. Mental, what's going on, please? Il a perdu au poker. C'est ça. Il était bourré. Strip calibre. Ça me fait. J'ai l'impression. Alors, je sais pas, je peux me tromper. On dirait un clin d'œil à ce qu'il a fait là, à Elden Ring. À Elden Ring, il y a un mec avec une tête en jarre,
avec un slip blanc qui s'appelle Let Me Solo This, Solo Air. Ah oui, j'ai vu ça. C'est peut-être ça. Ouais, voilà, là, oh, le Tigre Spartan, Let Me Solo Abby. I think it's that. Solo Abby. Je crois que c'est ça. Sincèrement, je crois que c'est ça, là. Peut-être, ouais. Il est parti juste avec son panier, son épée et sa gourde. Ouais, voilà, ouais. Aïe, 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 c'est tendu. Le garde break. Ah, oh, il met une bonne pression. Oh là là. B plus voilà, K. Il a totalement le rythme. Oh, il a bloody CBC, mais il a pas puni. Oh, c'est tendu. La chop. La chop, bisous. Oh, le rôle de Becca Wifi. Oh là là. Et le coup de gourde dans les dents. Oh là là, mais ce step là de mental au point. Et mental, la, bah, la balle de match. Ah, mental là, il est au taquet là. Il s'énerve. Mmh. Comme quoi, le pouvoir de la nudité fonctionne. C'est ça. Je détiens ma force de ma nudité. Les bonnes refs, hein. Voilà, ce relevé B là qui était un peu tendancieux. Attention, la garde. Oh, bien bloqué le kick là. Le coup de garde. Le coup de gourde encore. Encore un coup de gourde. Attention. Alors, je sais pas comment il boit, mais apparemment ça fonctionne. Oh, bien joué là. Le relevé B. Oh ah, ça va tuer. Attention. Oh, il a whiffé. Attention la garde, attention la garde. Un coup dans la garde et oh là là, mais c'est tendu. Oh, Abby. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Méga chaud. Mais c'était un beau match hein. Les deux là franchement GG's. Big GG's Abby la mentale. That was a great match. Big GG's to both. Alors. Aïe aïe aïe, méga chaud ici là. J'ai plus de voix. Déjà, je suis déjà à moitié malade, alors en plus j'ai plus de voix, bah. C'est t'as juste avant ta voix. Et là c'est Gaspard. Et du coup, on aura ensuite un fratricide. Gaspard contre John P. Deux joueurs espagnols. Two Spanish players, they're going to kill each other. Are we going to see John P and his curse cast and his curse kid with a clown? I don't know. I hope not. El Pandejo cool clown. Ou le clic BDSM. Le temps que je les invite, j'ai juste allé prendre mon yaourt, je reviens. Ouais, ça marche. Je me mute. Hein. Ouais. Alors, Jumpy, tu es là. Et Gaspard, c'est Ikaos. Ouais, il est là. Alors, au niveau du son aussi, j'ai vu tout à l'heure, on faisait une remarque, c'était au niveau du son. Parce qu'en fait, j'ai peur. Comme le son, il est assez aléatoire au niveau de ma voix. C'est pour ça que le son du jeu, il est un peu baissé. C'est du 50-50, soit je suis trop loin de mon micro. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, j'ai eu un souci de micro, il s'est débranché. Allez, go du coup. Re. Non, j'ai eu un souci de micro, mon micro il a... Parce qu'en fait il est... j'ai mon câble de micro qui est un peu trop long. Et ma chaise roulante était dessus. Et j'ai bougé et je paf. Ah merde. Ouais, et du coup bah débranché. Mais vous en faites pas, je suis là. Ah bah c'est... Il reste avec le classique qui leak. Voilà déçu. Bon il va changer petit à petit. Oui, il va changer petit à petit je pense. C'est sur plusieurs étapes en fait, il y a plusieurs degrés. Au début il est normal. Voilà, il est normal et après ça va être pire en pire. Et Gaspard qui fait plaisir et qui prend Shangwa. Gaspard qui sait comment faire plaisir au host. Exactement, et au commentateur hein, aussi. Attention, oh là, le relevé. Oh, très beau GI ici de la part de Jumpy, là, commence fort. No, no. Le crybaby. Itata. Oh, oula, il a voulu faire un truc. Alors les coups de Killik, alors là ça va être Killik, attention, je ne connais rien Killik.
À part les coups de bâton, je vais juste dire les coups de bâton. Oh, très beau 6-6B ici de la part de Jumpy. Peut-être dire des coups Wukong move. Jumpy, show me your move. Show me your move. Bah Jumpy, il a un kick très agressif. Hein. Très agressif, il adore. Il adore les pas. Il est imbloquable. À la relevée, ouais, le fameux là. Ouais. Ah la oh shortcut wifi, les bras de T-Rex, hein, on les connaît. Hein. T-Rex de Shango ici là. Le 8-8B. Oh là là, la bonne garde ici de la part de. Ah la de pression Gaspar. Qu'il met, hein, mine de rien, Jumpy. Et ça, c'est le décès. Très bonne garde et très bonne patience de Gaspar ici pour trouver l'ouverture sur un petit. D'ailleurs, j'ai pas inversé, excusez-moi. Manchete Maketanda. L'orange buff X. Yeah, buff grab the Angua for note T-Rex arm. FC3B. 6BB. Oh le saut! Et voilà, 8B. Ah ah. De la part de Gaspar ici. Attention, on active Dark Sasuke oh Kinnik. Ah, il est en bas! Mais ah, oui, ça punit! Oh, oh! Le petit deck trap avec la chauve presse ici. Ziangua complètement sereine après avoir vu Dark Sasuke qui leak. Hein. C'est trop zag, ouais. Ah, ça c'est normal, vous en faites pas, je lui coupe les cheveux après. Très très propre de la part de Junkie là. De Junkie. Gaspar, rien à voir, Junkie. Junkie, c'est demain, c'est dimanche. Junkie, c'est dimanche en plus. Il... Ah bah ça y est, comment on en parlait là. Ça y est, ah on bah voilà, y a pas eu des étapes cette fois, c'est passé directement de classique qui leak à SM qui leak. Faux pour moi. Ça n'a pas été évident de se battre avec ça dans la bouche. Hein. Salut, et... why are you typing a heart? Do you like do you like Jumpy skin? Jumpy evolve. Mette, punissez-moi mes chaussettes sont sales. Ah, il a le petit nœud de papillon, hein. J'avais jamais fait gaffe. Oui, il a le petit nœud de papillon et tout. Hein. Mais c'est un killing show au fait. Hein. Donc on est au courant qu'après une Dark Sasuke Kilik perd ses cheveux. Les effets sont irréversibles. Oh le relevé. Le 8-8B, 6KA. Ah le relevé. Non je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est la Sura ça, les paris là de Kilik. Je sais pas, attends deux secondes. Hein. Ouais ça marche. Le coup de billard. Non, du coup j'ai raté la fin du. Bah il a fait le, il a fait un gros coup de bâton dans les dents là, en mode, moi j'appelle ça quand je vois des kinks tuer quelqu'un avec un move comme ça, j'appelle ça le coup du billard. Tu sais comme si il était. Excuse-moi pour la comparaison, hein, mais c'est les. Oh, pas de punition ici! Ça a été trop tard! La choc basse! Attention! La CE, je crois pas que ça va tuer! Parce qu'il y a un gros. Tu crois que ça va tuer? Si ça tue, c'est pété, hein! Et si ça tue, c'est pété! C'est pété! C'est pété! Non, non, Sam, Ziang, y'a aucun problème, hein! Le lot. Oh c'est tendu hein. Ah bah on a le terme d'Orstein et Smoog actuellement là. Bon oh, don't play pas nous hein, hein Val et moi on don't play pas le personnage hein. Moi je dis juste alors, buff le crybaby hein. Pour le coup effectivement je pense que Momo et moi on est les. Oh, les oh bien puni. Les points de style encore. Apparemment nous les Yang on aime bien les points de style. Ce qui donne des létalites gratuits. Non, on va arrêter les délires. Mais très bien vu là ici de la part de Gaspar. Le C3B. D'ailleurs, Jumpy et Gaspar, ils viennent au mix-up ou pas? Pas à ma connaissance, je pense pas. En tout cas, s'ils viennent, je sais pas quoi. Buff Nightmare. Hein. Punition qui a pas. Pas la bonne ici, le beau 2 à plus B, pardon.
Ah, y a Jumpy là qui insiste avec son unbreakable. Et là, Gaspard qui va peut-être montrer qu'il a pas besoin de barres pour gagner. T'es barre, Jumpy, t'es barre. D'ailleurs, j'ai inversé les scores, étaient inversés, excusez-moi. Décidément, la régie fait pas son travail là actuellement, il a pu annuler, c'est allé. Veuillez m'excuser. Et Jumpy là qui a totalement oublié de l'existence de ses barres. Alors attendez, je vais changer après parce que comme ça on n'est pas décalé. Yeah, it's Sunday, the OFC, Leonide for the next OFC. C'est quoi ah, pourquoi, ce... genre, pourquoi aujourd'hui tout le monde se bat à moitié tout nul? Why is everyone naked today? Kilik, I want to see, enfin, want to show. Look, I'm so muscular. And look Yangua abs, don't care. Yangua, look at my abs. Alors attendez, je vais juste inverser. On est à 2 là, hein, c'est ça. Hein. 2-1, ouais. Ouais. Pour Gaspar. Jumpy, il y a un score? Non. Ah non, 2-0, pardon. Non, ouais, 2-0 pour Gaspar, pardon. Yamit. Hop, voilà, c'est bon. Alors, si ça plus base as my bitch, il n'est pas nu. C'est un spartiate. Et très belle remontade, très belle remontade. De, Totem qui dit que Jumpy n'est pas nul, c'est un spartiate. C'est Leonidas. Kilik Nidas. Oh, bien le step. Très bien vu ici de la part de Jumpy. Attends, il a quoi dans, entre les jambes? Il a mis un machin là. Alors, je veux pas savoir qu'est-ce que ça représente, même si je vois ce que ça représente. Oh putain. Mais on va laisser ça sous silence. Ouais, on va laisser ça sous silence, sinon voilà, on va passer en 18 laisser... plus là. Voilà, on va passer sur autre chose, on a rien vu. Ouais, on a rien vu. Oh, la chope de dos, comment la ça se fait? La chope de dos. Sur le côté. L'enlevé kick. La danse du bâton. Oh, le... Oh, le mur. Le mur. Ah, ça va tuer. Non, ça va pas tuer, ça va faire des gros dégâts. Des gros dégâts. Le mur favorable à Gaspard. Ah oui, ça oui, oh oui là, 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 là. Mais parce qu'il est resté par terre. Ça va tuer ça, peut-être. Non, ça va pas tuer, il manque le mix-up. Attention les Oki. Oh là 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 là. Méga propre ici, là. Très très propre de la part de Gaspard. C'est un boulanger. Les bonnes refs, là. Ça joue à League of oh, Legends. Et ça, et ça je crois que c'est... ça va sortir, ça peut sortir, ouais. À moins que... Oui. Ah non, 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 non. Pourquoi il a pas fait 6-6-K? La chope. Ah bah, aïe, c'est qui? Jumpy a voulu essayer. Ça, c'est moins 12, attention. Le guard break. Le modo de B, c'est de la part de Gaspard. Le mix. Oh, le coup de bâton. Oh, nice. Oh là 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 là. Méga chaud, Gaspard. Méga chaud. Du coup, on est à 4-0. Y a pas un problème au niveau du score, attendez. Si, t'as oublié de mettre le 3. Ah, excusez-moi, là je suis vraiment à la ramasse. Ah non, non, c'est 3-0, pardon, pas 4. 3-0. Là c'est 3-0, oui, hein. Oui, là c'est 3-0, donc tu peux changer après, oui. On est perdu. On est perturbé. C'est le skin qui nous a perturbé tout à l'heure. Ah, attends, maintenant on a Dieu qui leak. On a ascendé de Kilik maintenant. Et c'est tout le temps dans le même ordre, hein. Mais c'est trop ça. C'était Jumpy, il a des phases, c'est dans le même ordre. Now Jumpy is ascended. Oula, il aime oula, bien. Il y a whiff sur whiff là. Le guard break. Oh là là, ah, bien joué là le Bodoc de... avec le rôle bébé. En plus avec le petit tech trap là avec 4A. Hey. Le 1K, le 8B, 6KA. Oh là 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 là, et pour l'instant là Gaspard qui a tout juste. Ah bah lui aussi se met par terre. Ouais. Gaspard qui a tout juste, il contrôle totalement le rythme là. Oh, oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oui tu peux.
Alors je pensais pas que ça allait passer avec la range, mais la range de la JPT. Bah c'est pas ça, mais c'est aussi que ça rapprochait. Ça, on a eu l'impression qu'en fait Killy qui s'est bouffé la JP. C'est le charme de Ziongua qui l'a. Ah, ça va, il aurait pu le sortir. Ouh, la chope bien déchopée. Oh là 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 là. Gaspard qui passe en dessous. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait, Dumpy? Dumpy, il danse. Je sais pas, Dumpy, il a décidé de faire une danse là. Apparemment, les moines savent danser. Ah, il donne la nausée tellement. J'en ferme les mots, excusez-moi. PXS1A. Ah, dommage, je tremble là qui était un peu trop loin. Oh, bien le rôle bébé là. Le botec ici là de la part. Oh, mais ça, c'est le décès évidemment. Ah là, la très bonne réaction de la part de Gaspard. Stop me. Et du coup, c'est le temps. Le temps est venu. Nous allons voir Clown Killik. El Pendejo Clown. C'est le prochain skin. The next skin will be the Pendejo Clown. If everything is okay. Welcome to the stage of history. D'ailleurs, c'est son skin le plus drôle. Hein. J'aime beaucoup ce skin. D'ailleurs, j'ai fait un clown Shango à cause de lui. Hein. Ah ouais? Ouais. Et ben le voilà. Regardez comment il est beau. Après. Avec les gambox et tout là. Aïe 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 aïe. Or, j'en suis mais rien. Quoi? Qui s'est dit totem? Qui s'est dit totem? On dirait un personnage de One Piece. Ah, j'avoue. Ça se peut. Ça peut aller bon. Alors là, pour le coup, je suis à la ramasse. L'univers de One Piece, je ne connais pas. Je connais pas du tout aussi, mais vu que je vois la tête à peu près des persos, ça serait corps possible. Ouais. Ça peut passer effectivement. Oh là là, et Gaspard qui fait des. Gaspard qui fait des bons setups. K4B plus K, into 3B. C'est exactement ça qu'on veut voir. Donc là, le 3B avec le 6K. Ah! C'était un 2K ça de Killik, c'est le 2K là où il fait l'espèce de. J'ai pas fait gaffe. Oh là là. Et là il fait juste une fois Jumpy parce qu'il a peur de se manger la gilet. Attention le mur. Oh le mur, et oui le évidemment mur. Aïe aïe aïe, Jumpy qui s'est fait avoir. Le mix up. Oh mais qu'est-ce que c'est ça? Et la bonne punition, ouais, avec le casque ici. Parce que c'est moins 12 je crois le coup dans le dos là. Hein. En fait, Jumpy, il est très agressif, il a un style très agressif. Après, il met la garde, hein, mais... Moi, c'est le Killik le plus agressif que j'ai vu, moi, dans les Soul Calibur. Mais non. Ah, pourquoi il a CE? J'ai pardon. En plus, elle est safe, la CE de Killik, hein. C'est dommage, parce que Gaspard, il a tellement été surpris par la CE, il a pas CE derrière. Ouais. Et du coup, Jumpy, il a GI, on sait pas pourquoi, et du coup, bah, il est mort. C'était un round assez confus, effectivement. Du coup, hop. Et mais du coup, big GG's to Gaspard and Jumpy. Now the real. Et maintenant. C'est l'attaque des titans. Coup, on est re dans le bon. Re à l'heure pour le. Alors. Putain, j'arrive plus à parler, vas-y. On est à l'heure dans l'emploi du temps, du coup. C'est Ganondorf contre. Et du coup, le main event. Ganon contre Athéna. Du très très loin là. Alors, est-ce que ça va être aussi mouvementé que les matchs qu'il y a eu? Parce qu'il faut avouer quand même, hein, les matchs qu'on a. Le mien, Jumpy et. Bon, t'as l'ami, c'était tellement énervé. Hein. C'était tellement énervé. Il y a eu plein de. Des jolis matchs. Effectivement. Donc du coup là c'est Ganondorf. Hop, ok. Bah c'est bien, en plus on a le thème des 4 rois de Dark Souls qui sort là, c'est le thème qui va bien avec, je trouve que c'est un thème tellement vénère ça. Alors, je vais inviter les camarades. Alors, Ganon et Athéna. Athéna est pas connecté. Ah, il est là. C'est bon, tu l'as trouvé ? Ouais, mais il est pas connecté.
Il est hors ligne ou il est pas dans il est pas dans le jeu quoi. Oui bah invite-le quand même. Ouais, j'ai lancé une invitation. Tant qu'il est pas hors ligne, c'est... On va attendre du coup. En attendant, on va discuter de la pluie du beau temps. Chez moi, il fait du vent. Moi, il a fait très très moche aujourd'hui, il a même fait froid. Je pensais que c'était une fin de corps encore, mais non, il a fait frais quand je suis parti au sport. Bah là, on commence à sentir les températures qui baissent. Là. C'est pas plus mal, hein, parce que l'été c'était un chouïa invivable. Ah bah c'est il est là, j'ai... Ah, Athéna il s'est mis. Bah attends, comment ça se fait que je le vois pas connecté au jeu? Je l'ai même pas vu arriver, Athéna. Et du coup, le main event, Athéna contre Ganon. As well contre Nightmare. Je suis déçu que le Evil Love, c'est pas celui de Valania. En vrai, je peux le mettre sur le mien. Hein. Et du coup, Nightmare contre Aswell. Je sais même pas ce que ça donne. Je sais pas non plus, deux persos que nous adorons. Deux persos de type énervé. Oh, ok, ça commence direct avec une chop, très bien. Ah, on est un peu décalé. Deuxième chop, fly high, ok. Fly. On se bat sur 2B et on a les spectateurs oh robots. Oh, et Ganon là, qui commence direct avec le létalite. Très bon whiff finish ici sur la bubule. La bubule, ouais. Là, je suis décalé par contre. Je suis à 40 secondes. Ouais, non, mais moi je suis décalé parce que c'est peut-être parce que j'ai changé avant. Allez, j'ai changé avant qu'ils mettent start. Hein. C'est peut-être que je change après en fait. Après, ouais. Ouais. Oh, le boss step de Ganon. Oh non, il a raté le 2 demi. Ah, il a loupé la punish. Away. La bubule. Oh, il ne s'est pas puni. Enfin, ça fait ça puni, mais ça foiré. Oh là 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 là. Ça se regarde. Il essaie de mettre la pression là. Oh, le beau punish. Le beau punish ici de la part de Athéna. Et ça fait peur au robot. Relinquish. La Beyblade. Ah, ça a voulu faire un weapon art. La bubule qui absorbe ce coup là, ok, d'accord. Je savais pas du tout. Attention, la chope basse qui était déchopée. Les haches dans les dents. Les coups de poignard. Oh là là, ça va faire tellement mal ici. Ah non, il a plus la... Oh, bon, il a plus le... Oh, c'est Nightmare, le paratonnerre. Et malheureusement, Ganon qui s'est baissé ici à la relevée. Et qui s'est fait planter l'épée dans la tête. Tel un paratonnerre. La bubule. Ouais. Très beau backstep avec la scène, si c'est de la part d'Athéna. Ouais. Oh oh oh. Oh oh oh. La brise. La briseuse. It's not over. Oh, le Harry. Le Harry qui va. Oui, ça va. Oui. Oh, le drop kick. Il a fini en beauté. Et Athéna qui gagne des points de style ici. Sur ce Harry, une tout drop kick. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, Athéna qui nous montre qu'il n'a pas le temps. Ça montrait du catch. Effectivement, ouais. Là, il a pas le temps, là, Athéna. Damio, Elon Ashley. Mais bon, après, on connaît Ganon. Hein. Ganon, il se fait souvent surprendre par le premier match, le temps qu'il se mette dedans. Ouais. Et, on avait vu ça avec le match World Ball Star, là. Effectivement, ouais, qui c'était 5-0. Au début, ouais, c'était ça, je crois. 5-1, 5-0, et après, il avait tout remonté. C'était méga vénère hein, comme match. Hein. Parfois, Ganon a un petit peu de mal à se mettre dedans. T'as combien de temps, là? 41. 40. Je suis légèrement décalé. Pourtant, là, j'ai rien touché. Hein. Oh bah la room est cassée, ça y est. Ah, ça y est, la room est cassée. C'est il y a une perturbation dans l'espace-temps de Soul Calibur. Ah, je sais pas où elle a sauté. Là, ça se regarde. De quoi? Parfois, quand tu veux step, tu sautes, t'as tellement vite sur la. Ah bah, la moi ça m'arrive de temps en temps. La bubule, le weapon art qu'a pas jeté, quoi. Oh, et ça, c'est le DC. Ah non, il est pas sous le. Il y a le paratonnerre, mais ça va lui donner le NTC. Yo, son, le gimmick, Tommy. Oh, le drop kick, il a voulu faire le drop kick. Il a encore voulu drop kick, aïe aïe aïe. Pas trop forcé sur le style, hein, Athéna. Le paratonnerre encore une fois. Oh, très beau roll ici de la part de Ganon avec le bon punish. Les coups de hache. Il y a eu une tentative, j'ai l'impression, de reversal edge.
Il a dit quoi pendant le Weapon Art là? Je sais pas, mais il a pas dit Weapon Art. Il dit quelque chose d'autre contre Nightmare, je savais pas ça. Le Weapon Art a une ligne spéciale pour Nightmare. Très ouais. Bien. Bah, c'est pareil quand il active sa Soul Charge, il dit pas la même chose Aswell contre Nightmare, ça je savais pas du tout. Il y a des voice slides cachés apparemment. Alors, la Soul Charge ça peut se comprendre, mais par contre, le Weapon Art. Oh! Oh bien! Punition, bien vu de la part de Ganon ici. My love! You passed. Ah non. Il a gagné, c'est excellently done. Il fait un spectacle, il fait chef d'orchestre. À mon avis, Aswell, avant de devenir un gros méchant, il était chef d'orchestre. Il a trouvé une lumière avec Ganon là. Bon, le coup de shield, encore oh une fois. Là, gros jeu ici encore de la part de Ganon. Gros jeu là de la part ouais, ça, de ça l'a fait de au moins trois fois. Ah, ça a bien whiffé, ça a bien gillé la hache là. Oh bien le duck là. Oh ya ya. Le weapon art. Oh nice. Et Ganon qui remporte voilà, son point. Adaptation de Ganon. Ganon qui n'a pas besoin de bout de match pour s'adapter. Hein. Il a fait des coups qui marchaient. 3 fois 1A. Gros jeu. Mais ça fonctionne. Hein, il a qu'à se baiser. Et bonne patience. Et des beaux ducks aussi. Ouais, très beau duck. Très belle passeur de la part de Ganon. Maintenant, ça va être au tour d'Athéna de se réadapter. Ouais. Quel malaise ce perso. Athéna, je le connais pas. Pas énormément, je sais pas. Il a gagné le dernier iOS. Ouais. Pas les finales, mais le dernier tournoi avant les finales. Et c'est tout ce que je sais. J'ai déjà joué une fois contre lui. Mais ça remonte à. Non, ça remonte pas si loin. C'était. Bonne patience ici de la part de Ganon avec son bébé. Stay down. Stay down. The Abyss. Le AGA, okay. Les coups de poignard, encore un coup de poignard, la chope déchopée, la drill, le 2A. On a de la part de Ganon ici. Oh la bubule! Oh la ça... bubule qui a absorbé ici son buff. La chope basse. Mm-hmm. Oh oh! Ah, ça a voulu punir. La bonne remontada de Athéna, mais qui malheureusement meurt ici sur ce AB. C'est bien, moi tu connais les manips de Aswell. Moi je suis là à dire coup de poignard, coup de hache. On connaît que quelques-unes, hein. Aswell c'est un bordel hein, pour moi. Bon, on peut dire il a pas de coup de pied, mais bon. La chop basse encore, la sous l'attaque. Oh le bois whiff punish ici de la part de Ganon. Ça fait mal, regardez les dégâts. Le mix-up. Les poignards encore. Guard break. Et le punish ici avec le AB, très bien vu encore une fois de la part de Ganon. Tu peux faire du AB après le guard break de Nightmare C'est mis en scène, c'est pour ça. D'accord, ouais. C'est ce que je te disais la dernière fois, si se met en scène, tu peux appuyer sur des boutons. D'accord. La perceuse. Bah, je dis d'accord, mais quand je joue contre Hexagon Lord, je le fais souvent en plus quand j'ai de la barre. Back off. Bon, spacing ici là de la part d'Athéna, est-ce que ça va wall? Oh, oui, ça wall, mais ça foiré. Ah ouais, l'angle il était pas très beau ici de la part pour Athéna, pardon. Non, c'est dommage. La toupie ouais, encore. Soul charge. Le ici avec la soul charge. La bubule qui a niqué, bien bloqué. Sur le weapon art, et ça c'est le décès. Et ça finit avec des points de style. Et ouais. Athéna qui recherche pas mal des points de style, j'ai l'impression. Ouais. La perceuse. Ah, oh, ça m'a le puni. Aïe, Ganon là qui se retrouve tout nu encore une fois. Troisième personnage à être tout nu. Arrêtez d'être tout nu. Après il est plus rien, c'est le casse de base. Il est plus ici là. Mais apparemment. On a une armure à côté puis un mec en slip. Pas bien. La bonne pression de Ganon ici là, près du bord pour. Oh la pression. Oh là là, oh là 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 là. Athéna qui n'a pas voulu appuyer sur G. Et qui s'est pris l'horizontale là trois fois d'affilée encore une fois. Et puis là ils ont pas le temps. Hein. C'est prêt tout de suite. Déjà Ganon il a rarement le temps. Ganon il fait tout en même temps. Ganon il va en tournoi. Il fait 4 tournois en même temps. Je sais pas comment il fait. Bah en plus je crois que pour le mix-up il est inscrit pour DNF aussi non DNF, Guilty Gear et Soul. Comme il a fait pour le VSF. T'es sérieux putain. Ah non mais il fait 3 tournois en même temps, je sais pas comment il fait, moi je fais un tournoi, j'en peux plus. Oh là là, le mental kill. Ah non mais c'est un truc de ouf hein, je sais pas comment il fait hein.
Moi j'ai aucune stamina quand je fais un tournoi, alors 3, laisse tomber. Après c'est décalé au niveau des horaires. Ça essaye mais pas, mais t'as souvent des clashs. Pour le BSF il y a eu des retards et du coup ça a clashé avec... Il va jouer avec l'écran à côté, il va jouer avec un Soulcalibur à côté et puis un Guilty. La main droite il a le pad pour Tool et la main gauche il a le pad pour DNF. il va ramener deux... Il joue quoi Ganon? Il joue avec un pad hein. Non avec une manette. Avec une manette. Bah, il va jouer avec deux manettes d'une main. C'est ça. Oh très boosté attendant... Dommage qu'il a pas su courir. Ah le whip on art. Ça passe en dessous de la GA. Et ça c'est le décès. Le décès. Manque. C'est tendu hein. La bubule. La Night Terror. On lance des... on choisit. Oh oh. On a pris un bouclier. On a pris les poignards. On lance encore les poignards. La hache. Attention le whip on art. My blade. Ah, Ganon a qui s'est laissé fait surprendre par le deuxième coup. Tu peux le step le deuxième coup? Le My Blade, je... Non, tu peux pas, mais tu peux la GI avec Shango. Bon, après, tu peux punir, hein, c'est moins doux, je crois. La chope qui a été déchopée. Ah non, je confonds avec un autre coup, j'ai rien dit. Non, c'est pas celui-là, j'ai rien dit. J'ai de la merde. Les poignards. Yaha. Attention, la soulchar. Alors, Icewell en soulchar, c'est vénère. Absolute! Oh, très beau low ici, là, la part de Ganon pour casser la stance. Et du coup, on passe en sous-charge pour Athéna. La toupie. La drill. Oh, putain, c'est pas passé loin. Oh là 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 là. Oh, ça touchait de pas grand-chose, hein. Ouais, il a tenté de whiff finish Ganon, mais il était un petit peu trop loin. Ouais. Encore la hache. Oh, ça, c'est le ça va tuer, ici, ouais. Le 6-6-K. Oh, oh. Oh, oh. Je sais pas s'il est nouveau Sam Athéna. Non, Athéna, je pense pas qu'il soit nouveau. Ça fait un moment qu'il joue. Le garde-bray, la bubule. Sous la garde la sous-charge. Je confonds le lexique du jeu. Night Terror avec les sons et lumières. Le Jens Garg ici de la part de Ganon. Faut faire attention y a parce que là, la garde elle va péter. La oui, garde voilà, elle va péter. Oh putain! Oh, Soulcalibur. Ça va tuer ça? Ça fait déjà mal mais est-ce que ça va tuer? Je sais pas. C'est la première fois que je la vois se faire. Mais c'est pété. Ça va tuer. En attendant les viewers ont les yeux sont devenus aveugles à cause de la déflagration. Nous alors le je m'attendais pas à ce que ça tue pour le coup. Hein. Ouais, moi je m'attendais pas du tout à ce que ça passait en fait. Je connaissais pas du tout ce setup. Après, je connais pas Icewell, hein, mais je ne savais pas que sur un truc comme ça tu pouvais la placer quoi. Je sais pas combien de frames elle est, mais il peut la sortir quand il est en sous-charge. Ouais. Par contre, je sais pas s'il peut le faire juste une fois. Non, je pense pas. Non, il peut le faire autant de fois qu'il veut ça. Hein. Quand il a deux barres, c'est bon. Non, enfin, je veux dire, il peut pas la claquer une fois par match. Hein. Non. Faut juste qu'il ait une barre pendant la sous-charge quoi. D'accord. Ah le whiff finish, c'est là qui... Les shields. Ça se regarde, ça va tuer. Oh là là, la passion. Et alors, c'est agressif tout en étant patient. On a des mixtes là. Là ça se regarde. Les poignards, un coup de hache dans les dents. Il a coup de la hache encore. Attention, il a deux barres là Athéna. Ouais. On est dit to be crushed. On en utilise une sous l'attaque. Le bouclier, oh il a attrapé en plein vol. Stand back. Oh, oh ça va encore Eri. Oh le J. Ganon il est tellement agressif. Paratonnerre. Give it to me. Il est très patient, il a pas su des chopes ici la chope. Par contre il a plus de barre, attention la chope. Oh, il l'a aidé à s'enlever, il est gentil. Il a sous l'attaque, sous le charge pardon. Bien joué. Oh la hache, attention. Oh là 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 là, c'est tellement tendu. La pression. 9K qui passe en garde. Ah le RE. Oh le GA. Oh là là, le beau whiff finish d'Athéna ici là sur le AB totalement raté de Ganon. Ah là là, c'est dommage. Dommage pour Ganon qui avait très bien remonté là sur ce match. Oups, pardon, je suis dans mon portable. Ouais, il peut changer. C'était tellement vite. Attendez, je vais lui envoyer un message, je vais dire oui. Oui, il peut counter. Hein. J'ai peur que ça le déconcentre entre deux, mais.
Ah, je le trouve pas dans la liste. C'est pas grave, tu vas encore faire... on va encore être décalé. Je lui dirai si tu veux. Ouais. Alors, les scores maintenant. Ils ont changé de côté. Alors, Ganon 2 à 2. Là, pas de mission ici. Là, c'est dommage. Le bon 6-6 là de la part de... win. Paratonnerre, encore une fois. Ça va, je suis pas décalé. Là. La chope basse qui a été déchopée. Les haches dans les dents. Encore des haches. Avec a tenté de step, ça a pas fonctionné. Ouais, Ponin. Il dit honneur à la fin. Mais les coups en axe de Haswell, ça a l'air d'être tellement... ça a l'air d'être les plus forts hein, de son côté. Je sais pas si c'est une idée, mais... ah. Les coups de poignard. Le bon poc de Ganon ici, là. La bulle qui a été punie. Ah ah. Oh là 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 là. Le Leilash, pardon. Oh là là. Je mélange tout. Très beau relevé là de la part de Ganon. Ganon là, qui a totalement maîtrisé ce round très pourri. Oula, la Grimstrad, je sais plus ce que c'est comme stance, ça c'est la Grimstrad ça hein, chez Nightmare hein, quand il se déplace en avant. Là. Oh là là, mais... il est impérial là. Alors je pense qu'Athéna il a oublié le bouton G. Attends, je lui dis pour le. You can CP. Donc ouais, je pense qu'Athéna a oublié le bouton G là sur tout le match, hein, j'ai l'impression. Hein, c'est... il joue qui en deuxième perso, Athéna? Aucune idée, donc si counter pick, ça va être la surprise. Bah apparemment, il n'a pas décidé de counter pick pas. Donc 3-2 pour Ganon. Ah, attendez, hop, je vais changer les scores. Bigon! Oula, ça whiff un peu dans tous les sens. Alors, Ganon est à 3. Ganon qui trouve une très belle ouverture ici là sur cette horizontale. Bien vu le 6-6B de la part d'Athéna. Voilà. Oh, très bien vu ici la chope basse. Très bien. Aïe! Les coups de poignard, encore. La chope qui a été déchopée, ça se regarde. On est à égalité au niveau des barres de vie, pardon. Le J. Aïe aïe aïe. Le relevé H. Oh la Ganona qui est tellement patient ici. Et. Ok, très bien. Je pensais pas que ça allait passer. Moi non plus. La perceuse. Le coup de bouclier. La lance, la spire. La bibule. Aïe! Le paratonnerre. Il y a Angela qui fait plaisir pour Athéna. What the fuck? Ganon qui est passé au-dessus, mais qu'est-ce qui se passe? Ganon est tellement petit qu'il passe au-dessus d'Adler. Oh, c'est scandaleux là. Là, ça se regarde. Oh, ça fait mal ça! Magnifique de la part de Ganon. Oh là là, avec la patience et tout. Je sais pas ce qu'il a voulu faire en fait avec la drill. Il a voulu l'attraper je crois, mais bon il était un peu loin. Ah parce qu'il a fait la drill un moment après la bubule. Encore. Mais c'est dommage là pour Ganon qu'il a pas réussi à conclure le round parce que franchement les deux séquences elles étaient magnifiques. Ouais. La drill. Bon, oh putain les dégâts. Oh nice le jump kick. Ah, oh la suite. Et ça va tuer. The Sword of Despair. Et Ganon en slip. Effectivement. Bon, c'est peut-être à Toupi pour ça qu'il a drill. Ah peut-être, ouais. Mais bon, il était quand même un petit peu loin. Je sais pas si ça aurait touché. Ça se regarde, les alliés, ça se regarde. La Toupi. La hache. Baf là avec la hache. Oh non, attention. Il est trop loin pour le recap ouais. Aussi. Ouais, je sais pas si les ringots de Haswell sont bons. Ils sont ok. Ils sont ok. Y'a rien de pété de souvenir. Oh là là là. Athéna qui la peut pression. Pas tomber.
Ah, Athéna là qui a eu trop de pression là près du bord. For the human race. Oh nice, oh, le dodge là du coup de poing là. Mmh. Aïe. Oula, le clash là ici. Last 8 is fine, I press Nightmare Backdash. Oh, et ça c'est le décès ici. Ça va sortir. Ça va sortir effectivement. Aïe 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 aïe. Il dit quoi quand il tombe Nightmare? Je me suis toujours demandé ce qu'il dit. Je sais pas. If someone know what Nightmare is saying when he fall, when he got please. Out. Because I never, we never understood what he says actually. We just say wait. Something like that. Il dit pas un truc du genre, je m'en souviendrai, un truc comme ça. Je sais pas, franchement, j'arrive pas à comprendre perso. Mais vraiment dommage là, Athéna qui n'a pas su conclure le match. Très bonne remontada de la part d'Azwell, de Ganon, pas d'Azwell. Allez, je tombe, totem midi. Allez, je tombe. Je vois trop Nightmare en plus dire quoi. Sur les coups de poignard, ça, là ça va sortir aussi ça. Oh là là, oh là, il y a eu un gros freeze entre deux là. Ouais. Allez, je tombe. Donc là ça se regarde, les coups de pied, les coups de poignard, hein, que ça a bien été dodge. La chope basse, le guard break. Son et lumière. Voilà, on lead là pour Athéna là qui maîtrise totalement le rythme de ce round. Oh, et la chope qui a été chopée par Ganon. Et la perceuse. Ouais, la perceuse là qui a pris le backstep de Ganon. La perceuse qui est tellement vénère. Scatter away. Doom. Encore la bulle. Scatter away again. Les haches. Oh putain, on commence à toucher sur le côté ça. Bah ça traque un petit peu. Hein. Oh, le oh nice le beau step. Oh, ah le dommage. Trop tard, dommage. Ça se regarde, attention, Athéna a l'avantage de vie. Oh la bulle qui a absorbé le poignard là de Ganon. Et du coup on passe en sous le charge. Oh, il dit pas les mêmes phrases. Non, il dit pas du tout les mêmes phrases, ouais. Il choisit les armes, il a pris la hache, ça donne de la vie, je savais pas. Attends, suivant l'arme qu'il prend, j'ai l'impression qu'il gagne un bonus. Ouais, t'as vu, il a pris le bouclier, ça lui a régénère sa stamina garde. Et quand il a pris la hache, ça l'a soigné. C'est bien, on en apprend des choses en même temps. Et dis donc, Jamy, pourquoi? Pourquoi Nightmare s'est pété? Il voilà, gagne du métal. Ça va se regarder combien de temps là? Bah je sais pas, mais ça s'est mis à regarder loin. Il y a une putain de patience entre les deux là. C'est ça. Et l'épée c'est du métal, d'accord. Et le kick dans la bouche. Et c'est fou là, ça a duré méga longtemps comment ils se sont regardés là. La patience elle était extrême là. Oh la punition. Ah voilà, peut-être pas le bon whiff punish là pour... Et ça va sortir. Non, mais ça va sortir. Allez, je tombe! Encore une fois! Ouais, voilà! Ça va, là, chaque fois qu'il y aura un rigole, je vais penser à ça, quoi. Bravo, Totem! Et du coup, c'est la balle de match pour Ganon en vrai, hein, parce qu'il y a 4-2. Le guard break. Bonne patience là de la part de Ganon. Le shield AGA. Encore un coup de shield. Le bon lead sur la vie. Oh non, il a tapé! Et ça m'a tué, ça. Non, quand même pas. Oh, ça fait mal la critical edge de Nightmare. Ça va tuer, mais ça fait mal ça, je pense. En counter, ah ouais, peut-être, ouais. Oh il est là pour Ganon de faire ça. Je savais même pas que tu pouvais. Je pensais qu'en fait, ça, ce coup-là, en fait, ça touchait sur tous les côtés, en fait. Non. Si Nightmare peut le step, tout le monde peut le step. Quand le step de Nightmare, il est nul. C'est quoi où il est fort dans les déplacements Nightmare? Il en a pas ou... Le backdash. Ouais, son 4 il est très bon. Et son step il est nul à chier. Voilà, le step de Nightmare il est horrible, hein. Vraiment, c'est... Je sais pas comment il peut backdash comme ça pour avoir un step aussi nul. Bah c'est l'armure, c'est l'effet de gravité, c'est un peu lourd donc du coup... Ouais, alors, il arrive à aller en arrière mais par contre à faire des pas de côté il arrive plus. Là, c'est... Mais sinon il se casse la gueule. Au culon, ok, mais sur le côté non. Fais pas de pas chasser, Nightmare. Donc on est à 4 à 3.
Oh là là, pour l'instant là, Aitana qui a eu raison sur tout le round. Et on se bat chez nous. Effectivement, ils se battent devant le dojo. En plus, vous pouvez éviter de casser le dojo, ce serait pas mal. Très beau 6-6B à Tip Range ici là. La chope basse. Ça se regarde, le coup de shield, la perceuse encore. Oh là, encore Magadon une fois, frise un peu. Le paratonnerre. Oh là, ah ouais, ça c'est un safe ça. Ah ouais, alors c'est Megan, ça le mur. Et Ganon, le son et lumière. Ouais. Deuxième perfect d'affilée. La perceuse. Encore la perceuse. Weak. La chute basse. La Ganon, il est plus là là. Hein. Ouais, effectivement, là sur ce match, la Ganon il est un peu perdu. Il fait tous les mauvais choix. Oh, voilà, bien whiffé. Enfin, bien Doug, pardon. Il va autoriser le wall. Il se bouffe notre arme ancestrale. Attention, la sous-charge. Et la sous-charge également. Charge. Son et lumière. Ouais, alors il y a trop de lumière là, effectivement. Pas de just guard ici pour Ganon. Voilà, les coups de poignard. C'est un peu compliqué là pour Ganon ici. Mais il met bien la pression. Oui. Big oh, le saut. Aïe aïe aïe. Et Ganon oh là là, qui remporte son point. Ganon Athéna. Égalité. Balle de match pour les deux. Ah, le match a été tellement compliqué pour Ganon là. Deux perfects. Ah là, Ganon n'était pas là hein, dans ce match là. Il a tenté de remonter vers la fin, mais ça a pas fonctionné. Et on se bat chez Astaroth. Hein. Ça sera l'arène finale. Il y a du coup 4-4. On commence avec une Night Terror charge. La hache. Là c'est Ganon qui met le rythme. Voilà, ah Ganon il a pas le temps là. Voilà, ça, il se reprend là Ganon. La chope qui a été déchopée. La perceuse. Ça se regarde. Oh, le poignard là-bas, c'est weak. La perceuse. Relinquish. Le bon step ici, la peur de Ganon ici. Ça oh, va ça tuer, ça va faire tellement mal, ouais. Encore oh, des haches. C'est combat de projectiles là. Effectivement, ouais. Ouais, combat de projectiles. C'est surtout Asmol qui jette des haches. Il en a en réserve. Il tient des promos. La chute basse. Shop, là, pour Ganon. En guard break. Encore une hache. Aïe aïe aïe. Ça balance des haches. Hein. Mm-hmm. Il a raison, ça fonctionne. Eh ouais, en plus ça a fonctionné. Ouais. La bubule, c'est bien puni. Ici. Encore un guard break. En hache, encore une hache. Alors je sais pas s'il tente de step Ganon, je sais pas ce qu'il tente de faire. Je sais pas. Mais c'est la 2 ou la 3ème fois qu'il se prend le coup. Il a Athéna, il a l'avantage. Attention. Les oh là là, on a vu sous l'attaque ici là qui est pas passé. Le coup de poing, la perceuse. La qui a été délée. Et ça se regarde. Les coups de hache encore. Encore des haches. Là, décidément, c'est fou. Hache, hein. C'est Aswell le bouchon. Ganondorf le boucheron là. Ganon le bouchon. La perceuse et qui tue. Bonne gestion de la range ici avec la perceuse de la part d'Athéna. Ouais. Oh la toupie. Oula, oula, là. Il y a eu un petit freeze là. Ça se regarde. Bon délai. Le hip hop. Encore de la hache. Ça va pas. En fait, il fait tous les métiers, Aswell, avec ses armes. Il a le bûcheron avec les poignards, ses cuistots. Et avec la lance, bah, je sais pas. Ouais, tu fais rien avec une lance. À part du sport pour le javelot. Le javelot, ouais. Oula. Oh la attaque là qui empêche Ganon de faire la Beyblade. Ganon là qui est en balle de match hein. Ouais. Oh le Létalite. Ça va faire mal. Encore le Létalite. Oh le Létalite. What the mix. Ça a fait deux Létalites d'affilée. Et le bon conditionnement de Ganon pour finir sur le Weapon Art. Le Grimstrad. Attention sous le charge. Ça se regarde. Voilà, dernier mix-up là pour Ganon. Est-ce que Athéna va remonter? Yeah. Ganon il est méga patient mais attention, là il met la pression Athéna quand même. Les coups, le type damage sur Ganon. Est-ce qu'il va relancer? On récupère un peu de vie, on lance des haches, on lance des spears.
Athéna là qui essaye de, d'annuler la souchard de Ganon, il a eu raison. Chaos, mais Ganon ça a pas l'air de l'avoir. Non. Oh non, attention la bébule. Ça va faire mal. Son et lumière. La bonne chose garde ici pour Ganon, Ganon qui re-soucharge. Et ça et tue. Un coup de hache dans le bidou. Et Ganon finalement qui prend le match 5 à 4. C'était un match méga vénère. GG à Ganon et Athéna. GG's to both player. Et bien voilà. Et bien voilà, effectivement. Dégueulasse. Allons. Adil. Ouais, bien voilà. C'est la fin de ce OSC 118, c'est ça, hein. Oh, je suis perdu moi aussi dans les noms. J'en sais rien. 117, je crois. J'ai plus. Je m'en souviens plus. En plus, attends, en plus, je suis con, je l'ai noté dans le titre. Là où 118, oui. Voilà. Ah ouais, c'était méga tendax, hein. That was a very good OFC. Don't forget that there is the next OFC on Sunday hosted by Abby. And I made an exception, so there will be five matches actually, because I had a lot of sign-up, a lot of attendees, so there will be five matches, so don't hesitate to stop by and to watch and to support Abby and his commentator for that. There will be OFC next week, but I will try if we can, if the host can, we'll try to do it at the beginning of the week actually, because on the weekend there will be the Celtic Throwdown, and I still want people to practice for the Celtic, but also for the mix-up, which is in 2 weeks. So we'll try to do it at the beginning of the week, like between Monday and Thursday. If we can between Monday and Wednesday, actually, it's the best, but we can push up until Thursday. So I'll be announcing that on the OFC Discord this weekend. And I'm going to see with the host who can host. If we can at least host one OFC, it will be great. Then people can keep practicing. Don't forget that there will be the Celtic Throwdown next weekend. Thanks to Kusoge and Darth Parmigiano, we are going to have a stream for Soul Calibur. So thanks to them. Thanks Kusoge and Sipius for bringing Soul Calibur on stream at the Celtic Throwdown. I don't know if there will be the pools, but the top 8 will be streamed. Oula, I'm losing my voice, sorry. The top 8 will be streamed for sure. Je vais y arriver. Stream for sure. I don't know about the pool though, and for the mix-up, of course, everything will be stream, if I remember correctly, the pools and the top 8 that will be on Saturday and Sunday. So be there for the mix-up. There will be, if I remember correctly, 2 streams, so 1 English stream and 1 French one. So everyone will be able to join and to follow the stream. And that's it. So thank you everyone for stopping by. BGGs for all the player today. That was a very great OFC. And of course, thank you Momo, who is hosting for the second time in a row the OFC. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire dans ces cas-là là? Bien, du coup, merci pour. Pour les personnes qui étaient présentes, hein. Thank you for everyone to coming in my stream for the matches. Il y a une grosse level. We have so difference between my English and English of Valania. Oh, it's horrible. And see you in the mix-up. Parce que I going to the mix-up for the weekend. Weekend. On se verra au mix-up du coup. Oh mon dieu. Oui. So bon. I'm going to meet Momo for the first time at the mix-up. That's. Thank you, Brandstar. Thank you, Brandstar. We are sorry that. We're not sorry actually, but it's true that with Momo we mainly talk in French because he has to practice his English. Yeah. But he is improving in English actually. So I hope that one day Momo will be able to host in English too. So keep supporting him. Don't hesitate to talk in English in the chat because we are going to answer you in English, and Momo is making effort to speak English too and to answer you in English in the chat. So don't hesitate to speak English in the chat too. With a very good accent.
mean, my accent is shit too, so it's okay. So thank you everyone, merci à tous. Et du coup, on se retrouve dimanche pour la suite de l'OSC et la semaine prochaine, du coup, pour plus de bagarres. Don't forget to go to see Junkie, the stream of Abby. Go to see and see you on Sunday for the next OFC. And thank you everyone, thank you to coming, thank you for the bagarre. We're going to raid someone. Let's go. Alors, les raids, c'est toujours la plus grande histoire d'amour avec moi. Alors, qui c'est qui a raid? Est-ce que un Telo il stream? Non. Tu as quelqu'un en tête éventuellement ou... Non, j'ai personne là, malheureusement. Même sur Soul, il y a personne. Bon, bah, du coup, bah, on va pas faire un raid, désolé. We're not going to raid everyone else. So, bye bye, au revoir tout le monde, bye bye, ciao ciao. Salut! Bye bye. Au revoir! Achetez!